19 mars 1985, Garden Grove, Californie. J'ai besoin d'une ambulance. De quoi s'agit-il, monsieur? Je crois qu'on a tué quelqu'un chez moi. Qui, monsieur? Ma femme ou ma fille, ou peut-être toutes les deux. Uh-huh. Je rentre à l'instant, j'étais pas là. Et je ne me sens pas le courage d'aller voir. Écoutez, je crois que c'est Cinnamon qui a tiré sur ma femme. Qui est Cinnamon, monsieur? C'est ma fille. Uh-huh. Elle a disparu, on ne sait pas où elle est. Quel âge a votre fille? 14 ans. Est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un sur place immédiatement? Vous êtes monsieur David Brown? Oui. 565 Orange Glen. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, un officier vient d'arriver chez vous. Regardez dans la rue. Est-ce que vous le voyez? Je le vois. Oui, il est là. Qu'est-ce que je dois faire? Je raccroche? Laissez le téléphone décrocher. D'accord, bon. Surtout ne raccrochez. Entendu. Tiens-moi ça. Tu dis rien, Sou. Vous êtes David Brown? Oui, c'est moi. Entrez. Ma belle-sœur a entendu les coups de feu dans ma chambre. C'est par là. Quand ça s'est-il passé? Il y a à peu près une heure. J'ai eu si peur que je me suis enfermée dans ma chambre en attendant que David revienne. Bon, restez où vous êtes. Code 3, j'ai besoin d'une ambulance. Ah, vous voilà, vous êtes là. Faites vite, s'il vous plaît, c'est par là. Dépêchez-vous. Je vous en prie, dépêchez-vous. Allez vous asseoir là-bas, s'il vous plaît. Hein? Oui, d'accord. Monsieur, c'est vous qui avez appelé? C'est moi, oui. Vous êtes monsieur? David Brown. David Brown, bon, je vais vous poser quelques questions. Vite, c'est par ici, la pièce au fond, là. Allez, vite. Vous y êtes? En route. Prenez ça. Non, 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 laisse, on fera ça en arrivant à l'hôpital. Bon. 4, 5, ventilation. 4, 5, ventilation. Tout va bien se passer. T'en fais pas, rendors-toi, ça va bien se passer. Je craque complètement. C'est ma tension. Oui, je parle. Monsieur Brown. Oui. Votre femme a reçu 2 balles dans la poitrine. Les infirmiers s'occupent d'elle. Oh. Vous croyez qu'elle va s'en tirer? Son état est critique, on ne peut pas se prononcer. C'est pas possible, il faut qu'elle s'en sorte, il le faut. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Oui, une femme, grièvement blessée. 2 balles dans la poitrine. On se dirige immédiatement sur l'hôpital du comté. Bon, allez, dépêchons, l'ambulance vient d'arriver. En route. C'est ma sœur. Elle va s'en tirer. C'est pas possible. Elle est morte, n'est-ce pas? Elle va s'en tirer. Ça m'étonnerait qu'on arrive à temps. Ah, attention derrière toi. Est-ce qu'elle a une chance? Non, c'est fini. R6, nous recherchons une jeune fille de 14 ans dans le secteur. On a besoin de votre aide. Bien reçu. Eh bien. Elle a reçu 2 coups de revolver. Ça s'est passé à peu près il y a une heure et demie. Elle vient de mourir. Alors, ils vont l'amener à la morgue pour faire une autopsie, c'est ça, hein?
On a retrouvé l'arme. C'est un revolver 38 à canon court. Aucune trace pour l'instant de la jeune suspecte. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ils sont de plus en plus jeunes et moi, je rajeunis pas. Quelle époque. Je dois examiner vos mains pour rechercher des traces de poudre. J'étais sorti quand c'est arrivé. Je l'ai dit tout à l'heure à l'autre policier. J'ai même pas pu rentrer dans la chambre. Je l'ai aperçu de loin, sans rentrer. J'ai vu son bras qui pendait au bord du lit. J'ai vu ça depuis le couloir. Monsieur Brown, je suis l'inspecteur Livrette du commissariat de Garden Grove. Je sais que cela ne sera pas très agréable pour vous, mais nous avons certaines procédures que nous devons respecter. Ouais, allez-y. Je comprends. Je vais devoir vous poser un certain nombre de questions. Allez-y. J'aurais jamais cru que ça finirait comme ça. Je savais bien qu'elle avait des problèmes, mais... Qui ça, monsieur? Qui avait des problèmes? Cinnamon. C'est ma fille de mon premier mariage. C'est moi qui ai voulu qu'elle vienne vivre avec nous. Mais Linda et elle ne s'entendaient pas du tout. Donc Cinnamon habite ici, avec vous? Oui, elle... Elle a emménagé ici en septembre. Juste... une ou deux semaines avant la rentrée scolaire. Et où est-ce qu'elle habitait avant ça? Chez sa mère. Enfin, je veux dire, chez mon ex-femme, quoi. Les choses s'étaient vraiment dégradées ces derniers temps, et... Et Linda l'avait envoyée vivre dans la caravane au fond du jardin. La voir dans le garage. On a regardé partout. Bon, eh bien, il faut chercher dans le quartier. Voilà le signalement de la suspecte. Jeune fille, blanche, 14 ans, cheveux bruns, taille 1m60, poids approximatif 50 kg, porte une chemise de nuit blanche. Pourquoi êtes-vous sorti cette nuit? On s'est couché tôt. Enfin, je veux dire, Linda et moi, et on a fait l'amour. Et vous avez fait l'amour? Oui, et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle voulait renvoyer Cinnamon vivre chez sa mère. Et ça, j'avoue, ça m'a fait beaucoup de peine, car j'ai toujours tout fait pour qu'on soit une famille. Je voulais que tout le monde essaie de s'entendre, et alors je suis sorti faire un tour en voiture, parce que j'avais besoin de réfléchir calmement à tout ça, d'accord? Oh, je n'arrive pas à y croire. Cinnamon était bizarre depuis quelque temps. Oh, pardon, excusez-moi une seconde. John, viens, s'il te plaît. Oui, vous devriez lui confier votre bébé un instant. Faites-lui confiance. Il sait très bien si. Viens, mon bébé. Vous étiez en train de me parler de Cinnamon. Oui, dernièrement, elle était plutôt distraite. Mmh. Elle a même parlé de suicide. Elle vous a parlé de suicide? Oui. Je lui ai dit que tout le monde avait des problèmes pendant l'adolescence, mais que c'était pas grave, que ça s'arrangerait. J'ai toujours réussi à la calmer. Excusez-moi, c'est cette migraine. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne de l'aspirine? Je peux demander à un de mes hommes. Merci, non. Non, je prends des médicaments. Ma santé n'est pas très bonne, vous savez. Oh, toute cette histoire est un cauchemar. C'est comme si ça ne s'était pas vraiment passé. Avez-vous une idée de l'endroit où Cinnamon a pu se réfugier? Non. Bien que, enfin, ça n'a rien de sûr. Mais peut-être chez sa mère. La pauvre, on l'a transbahutée entre sa mère et moi pendant... toute sa vie. Et où est-ce que sa mère habite? À Anaheim. Son nom est Sandra Eden. La rue, c'est Welland Street. J'ai envoyé une patrouille au domicile de Sandra Eden, E-D-E-N, à Anaheim. Et ensuite, que s'est-il passé?
Ensuite, eh bien, j'allais me coucher quand Cinnamon est venue me voir. Elle avait un revolver, elle m'a demandé comment ça marchait. Elle a dit qu'elle avait peur de se faire attaquer par un voleur dans la caravane. Vous avez l'habitude des armes à feu ? Non, j'ai vu faire à la télé, on voit ça dans les films. Donc vous lui avez montré comment s'en servir ? Je lui ai dit ce que je savais. Mais je croyais qu'elle en avait besoin pour se défendre, je ne savais pas qu'elle avait l'intention de faire... Allons jeter un coup d'œil dans votre chambre. D'accord. Parlez-moi un peu de votre femme. Je l'aimais vraiment. Jamais je... Non, je crois que je n'aimerais jamais quelqu'un autant qu'elle. Je l'aimais. Excusez-moi. Pourtant, vous n'êtes pas entré dans la chambre. Non, mais j'ai appelé de l'extérieur. Elle ne répondait pas, je n'entendais plus rien, alors j'ai... C'est de la lâcheté, peut-être j'aurais dû y aller, mais ça a été plus fort que tout. C'était affreux, j'avais bien trop peur de ce que j'allais découvrir dans la chambre, pardon, j'ai... J'étais en train de dormir quand Cinnamon est entrée et a tiré par-dessus mon lit. Vous êtes sûre que c'était elle ? Mmh. Alors le bébé s'est mis à pleurer. Où était le bébé ? Dans la nurserie. J'ai eu peur. Alors, je suis vite allée chercher la petite et je l'ai emmenée avec moi dans la chambre et j'ai fermé à clé. Tiens, mon ange. Et alors, j'ai encore entendu deux coups de feu qui provenaient de la chambre de... On dirait que la balle a fait ce trou dans la tapisserie. Là, regardez. Vous voyez ? Là. Non, non, attendez. Non, laissez-les, ce sont mes parents. C'est moi qui les ai appelés. Linda est morte. Je crois que Cinnamon l'a tuée. Oh, mon Dieu. C'est impossible, voyons. Elle n'a pas pu faire ça. En tout cas, elle a disparu. On ne sait pas où elle est. Pauvre bébé, donne-la-moi. Si vous pouviez, ce serait bien que vous emmeniez la petite avec vous ici. En ce moment, ce n'est pas un endroit pour elle. Je dois faire le test sur les mains de mademoiselle. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Cindy ? On vous préviendra dès qu'on l'aura retrouvée. Ah, entendu. Oh, mon Dieu. Écoute, on va emmener la petite avec nous à la maison. Enfin, comment est-ce que ça a pu arriver ? Il y a longtemps que je vous demande de consulter un psychologue, mais elle ne m'écoute pas. Tu nous préviens dès que tu as des nouvelles, hein ? On est à la maison, on attend ton coup d'accord, de fil. D'accord. Merci, papa. Où votre fille a-t-elle pu trouver cette arme ? Oh, eh bien, j'en ai toute une collection. Des armes de poing, des carabines... J'espère que vous allez la retrouver, Cinnamon. Vous êtes sa sœur ? Non, je suis la sœur de Linda. J'habite avec elle et David depuis l'âge de 11 ans. Mais alors, le bébé... C'est celui de Linda, pas le mien. Ambre. La voiture 26 est arrivée chez Madame Eden. Un inspecteur est en train d'interroger. Je vois pas comment elle y serait allée. Elle ne sait pas conduire, elle est trop jeune. On signale une collision entre deux voitures. Il y a forcément une erreur. Cinnamon n'aurait jamais fait ça. Vous ne voyez pas où elle aurait pu se réfugier ? Non, je ne vois pas. Peut-être chez sa meilleure amie, Lisa Tanner. Vous avez son adresse ? Je vais vous chercher ça. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ait fait ça, je vous assure. Elle s'entendait bien avec Linda. Regardez. Vous trouvez qu'elle a une tête d'assassin ? Quand Cinnamon est venue vous demander comment se servir du revolver, avez-vous touché l'arme ? Non, je n'y ai pas touché. Vous en êtes certaine ? Oui, absolument. Excusez-moi. Inspecteur, est-ce que vous en avez encore pour longtemps ? Franchement, je crois que je ne peux pas rester une minute de plus dans cette maison. Oui, je crois que vous pouvez partir si vous voulez. On bouclera la maison quand on aura fini. C'est ça, merci. D'accord. Et faites bien attention à ce que personne ne touche à mon matériel professionnel. D'accord ? Bien sûr. Je peux vous demander quel métier vous faites, monsieur ? Sauvetage de données sur des disquettes informatiques détériorées. Je vais dire à mes hommes d'être très vigilants. D'accord. Dans la caravane, il y avait un petit chien. Est-ce que je le mets dans le chenil avec les autres ? Oui, ce sera parfait. Ce chiot, je l'ai acheté il y a à peine un mois, je l'ai offert à Cinnamon. Elle en était folle. C'est insensé. Comment une gosse a-t-elle pu faire ça ? Je n'y comprends rien. Ça me dépasse complètement. Tu veux prendre les affaires du bébé ? Oui, la vie. Vous saviez que Patty était la sœur de la victime ? Non. Venez avec moi. Comment je vais faire pour m'occuper tout seul d'un bébé ? Attention, celui-là, c'est un vrai tueur.
Patterson! Patterson, viens voir! Ah, alors, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Allons, viens. Sors de là. Attends, je vais t'aider. Allez, vas-y donc, tu t'es mise dans un bel état. Cinnamon? C'est bien toi, Cinnamon. Je te tiens. Viens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle tenait dans sa main? Qu'ai-je fait? Oh mon Dieu, pardonnez-moi, je ne voulais pas faire de mal. Cinnamon, viens, nous allons t'emmener au commissariat, je suis obligé de t'arrêter. Il faut la montrer à un médecin tout de suite. Elle est droguée à mort. Ramassez donc ces pilules qui traînent par terre. Allez. Bien, inspecteur. Est-ce que mon père va bien? Fais attention à tes pieds. Et voilà. Linda, comment va... Allons, calme-toi. Respire bien à fond, bien régulièrement. Allez, vous pouvez y aller. À tout de suite. C'est Cinnamon? Est-ce que c'est elle? Je voudrais lui parler. Oui, c'est elle. Mais il faut la montrer d'urgence à un médecin. Elle a pris de la drogue ou je ne sais quoi. Ah non, 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 c'est impossible. Mes filles ne se droguent pas. On ne boit même pas d'alcool à la maison. Écoutez, alors, monsieur Brown, vous n'avez qu'à passer au commissariat dans l'après-midi. Et mais enfin, pourquoi est-ce que... Mais dites à vos hommes de bien fermer à clé quand ils auront terminé. Mais oui, ne vous en faites pas, on a l'habitude. Et là, dans un moment pareil, il ne pense qu'à boucler sa maison. Bah, mets-toi à sa place, hein. Deux catastrophes d'un coup, il sait plus où il en est. Je peux pas le faire. Patty, allons voyons, tu dois le faire, il le faut. J'ai besoin de temps pour réfléchir, tu comprends? Allez, vas-y. Ici David. Linda est morte. Deux coups de revolver. Cinnamon? Qu'est-ce que j'ai fait? Le réflexe pupillaire est très ralenti. Vous avez le droit de ne pas répondre à nos questions. Si vous renoncez à ce droit, toutes les réponses que vous ferez peuvent être et seront retenues contre vous devant la justice. Le pouls est stable, les réflexes normaux. L'attention est un peu faiblarde. Elle n'est plus en danger, mais il faut la faire examiner. Tu sais qui je suis? Je suis un inspecteur de police. Sais-tu pourquoi tu es là? J'ai fait du mal à Linda. Et tu lui as fait du mal, oui, c'est ça. Et comment est-ce que tu lui as fait du mal? Je lui ai tiré dessus. Cinnamon, nous allons te conduire à l'hôpital. Sur la droite. Ce n'est rien, Cinnamon, tout va bien se passer. Oui, ouvre les yeux. Allez, fais un effort. À la bonne heure. Bon, très bien. Sais-tu combien de pilules tu as avalées? 80. Nous allons devoir te vider l'estomac avec une pompe pour évacuer non, tout ça. Je ne veux pas vomir. J'ai déjà vomi. Oui, mais heureusement que tu l'as fait. Sinon, tu serais morte. Je ne veux pas mourir. Cinnamon, dis-moi pourquoi tu as avalé ces comprimés. J'attirais sur ma belle-mère avec un revolver. Deux fois. Allons-y, ne perdons pas de temps. La déviation a été mise en place. J'attends le rapport des équipes de secours. Terminé. Journée à Disneyland. Fait du shopping avec Lisa. Très différente de tous les meurtriers que j'ai connus. Peut-être, mais on a un billet écrit de sa main. Et elle a tout avoué plusieurs fois déjà devant témoins. Franchement, je ne pense pas que son dossier soit très dur à boucler. Vous avez un modèle de l'écriture de chaque personne de la maison? Oui. Voici l'écriture de Patty Bellet. Son nom est marqué là. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est tellement mal aimé par ses parents qu'il finit par mettre fin à ses jours pour les débarrasser. Patty, c'est la sœur de la victime? Oui. Elle vit chez eux depuis l'âge de 11 ans. Une petite famille bien unie, hein? Bon, eh bien, prenez-le toujours.
Tu n'as qu'à t'asseoir ici avec le bébé. C'est bon, allez-y. Je suis Eddie Brown. Je viens voir ma fille. Non, ça c'est rien, c'est des petites babioles à manger, la pâtisserie. Ça c'est la glace au café. Elle adore ça. Il faut que je m'en aille, ma chérie. Veux-tu que je t'apporte quelque chose ce soir? Je t'aime, ma chérie. Alors, comment va, petite fille? L'admirable père. Rien de tout ça ne serait arrivé si je l'avais gardé avec moi. C'était ton choix. Pardon, je voulais que tu lui donnes tout ce que je ne pouvais pas lui donner, mais pas ça. Je vous en prie, vous n'allez pas vous disputer. Pardon, je suis désolée, Sidney. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais enfin, Sandra, elle aura un bon avocat. Je ne vais pas la laisser dans cette situation. Tu ne devrais pas lui faire de promesses que tu ne vas pas tenir. Je reviendrai te voir ce soir après mon travail. À ce soir. Repose-toi. Jaune, voilà un beau bouquet. Tiens, sens-moi ça. Et ça, c'est un énorme pot de glace au café. Oh, papa, j'ai peur. Oui, oui, bien sûr, ma chérie, mais il ne faut pas. Je ferai tout pour te sortir de là. C'est à la vie et à la mort entre nous, tu sais. Et nous sommes une famille. Rien ne peut séparer une famille. Les policiers disent que je vais aller en prison. Mais non, je ferai tout pour empêcher ça. Mais il faut que tu me répètes tout ce que tu as dit aux policiers. Qu'elle voulait me chasser de la maison et que je l'ai tuée. Bon, d'accord. À partir de maintenant, je crois qu'il vaut mieux pour toi que tu fasses celle qui a tout oublié. Tu n'as qu'à dire aux policiers que tu ne te rappelles pas ce qui s'est passé. Si tu t'imagines qu'ils vont me croire. Sidney. Écoute-moi, tu as pris beaucoup de médicaments, d'accord? Et tu ne te souviens plus de rien, c'est tout. Je ne veux pas m'en souvenir. Je ne veux même plus y penser. Et alors tu oublies. Allez, tout va bien. Tiens, mange plutôt ta glace. Elle va fondre, dépêche-toi. J'en ai eu pour une vraie fortune, tu sais. Au revoir, ma chérie. Au revoir, papa. Et repose-toi bien. Bonjour. Est-ce que tu te souviens de moi? Je suis l'inspecteur de police et ce monsieur, c'est Frank Cardos. Lui, c'est un enquêteur qui travaille au bureau du procureur. Un certain nombre d'éléments dans votre affaire ne me paraissent pas très clairs, Cinnamon. J'ai besoin de vous poser des questions. Alors voyons, vous avez tiré sur Linda parce que vous lui en vouliez. Mais pour Patty, vous lui en vouliez à elle aussi? Je sais plus, monsieur, tout se mélange un peu dans ma tête. J'aimerais qu'on me ramène dans ma chambre. Où avez-vous trouvé l'arme dont vous vous êtes servi? Écoutez, monsieur, je vous l'ai déjà dit, tout est flou. Je me rappelle plus de rien du tout. Mais voyons, tu te rappelais bien hier, souviens-toi. Tu m'as dit que tu l'avais trouvé dans un tiroir du bureau. Je ne me sens pas bien, je vous jure. Bon, autre question très importante. Votre réponse pourrait tout changer. Quand avez-vous pris les comprimés? J'ai besoin de savoir. Est-ce que c'était avant de tirer sur Linda ou après? Je viens de vous le dire, je ne me rappelle pas. C'est comme si j'avais perdu la mémoire. Vous ne vous rappelez pas certains détails ou vous avez absolument tout oublié? Je ne me rappelle plus de rien du tout. Emmenez-moi dans ma chambre, s'il vous plaît. J'attends de vous que vous la fassiez remettre en liberté. Ce ne sera pas facile. Elle a plus ou moins tout avoué à la police. Sa culpabilité est pratiquement établie. Écoutez, maître. Je connais bien ma fille. D'accord?
Elle est très gentille, mais elle n'a jamais été tout ce qu'il y a de plus stable. Je suis certain qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait quand elle a commis cet acte. On pourrait plaider la folie, ce serait peut-être la meilleure solution. Possible. Bon, entendu. Je vous laisse y réfléchir. Pour l'instant, je dois m'occuper des formalités pour l'internement. Je connaissais bien Linda, inspecteur. Je suis mariée avec son frère depuis 13 ans. Et je refuse de croire qu'elle aurait envoyé Cinnamon vivre dans la caravane. Elle l'a toujours placée sur un piédestal. Et y avait-il des tensions ou des problèmes entre elles? Non, aucun. Et c'est pour ça que je comprends rien à cette histoire. Parlez-moi du reste de la famille. Est-ce que tout le monde était en bon terme? Il y avait 3 femmes vivant sous le même toit. David s'amusait à les remonter les unes contre les autres. Qu'entendez-vous par là? Écoutez, je dois vous dire que je n'aime pas beaucoup David Brown, vous comprenez? Et lui non plus ne m'aime pas. Patty, toutes mes condoléances pour ta sœur. Merci, Donna. Est-ce que tu veux que je te prête un peu de rouge? Tu es si pâle. Non, elle n'a pas besoin de rouge, elle est suffisamment jolie. Je dois vérifier 2 ou 3 petites choses et je te laisse, ça va aller. À tout de suite. La pauvre maman est folle de chagrin. L'avenir lui souriait, tu m'as volé aujourd'hui. Oh, regarde ma jolie petite fille aujourd'hui. Oh, regarde-la. Je comprends ce que tu ressens. Accepte mes condoléances. Le mieux maintenant, ce serait que Patty revienne vivre à la maison. Nous passerons prendre ses affaires demain. Est-elle? Les circonstances sont pénibles pour tout le monde. Mais je sais que financièrement, ce serait une charge trop lourde pour vous. Et j'ai l'impression d'avoir quasiment élevé Patty. Je ne vois pas pourquoi les choses ne continueraient pas comme avant. J'ai besoin du maximum de soutien, vous comprenez? D'ailleurs, mes parents vont venir s'installer chez moi, eux aussi. Je ne suis pas sûre de... Laisse-moi rester, maman. J'avais promis à Linda que s'il lui arrivait malheur, je m'occuperais de la petite. Donna va me tenir compagnie quelque temps. Tout va bien se passer, maman. Votre sœur. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Merci. Je pars avec vous alors, monsieur. Merci. Horrible. Comment peux-tu supporter ça? Je
sais que maintenant, je ne pourrai plus jamais dormir dans ma chambre toute seule. Linda est ici. Je sens sa présence. Eh bien, les filles. Pourquoi est-ce que vous vous mettez dans des états pareils? Calmez-vous. Tenez, on va acheter une autre maison pour commencer une nouvelle vie. Les mauvais souvenirs, on les laissera derrière. Tu es vraiment une amie, tu sais, Donna. Je ferai absolument tout ce que je pourrai pour qu'on reste tous ensemble. Mais il va falloir que tout le monde soit courageux. L'homicide est un crime extrêmement grave. Quand il est perpétré sur un membre de sa propre famille, il devient encore plus odieux. Cinnamon Brown, vous demeurez en détention à la prison pour enfants jusqu'à votre procès. L'audience est levée. Les prélèvements, ça a donné quelque chose? Je viens de recevoir les résultats du labo. David Brown et Patty Belair avaient des particules métalliques sur le dos des mains. Dans le cas de Patty, les niveaux étaient élevés. D'accord. Et Cinnamon? Non, rien. Mais ça ne veut rien dire. Elle avait tellement de saloperies sur elle que ça ne prouve rien. Les traces auraient pu être recouvertes. Il y a vraiment des choses qui ne collent pas dans tout ça. C'est vrai que ces tests ne sont pas totalement fiables. Ça ne prouve pas forcément qu'ils aient touché l'arme du crime. Vous faites une drôle de tête. Vous voulez que je les cuisine encore une fois? Oui. Tâchez d'interroger Patty sans que David soit là. Ouais. Il y a une chose qui m'intrigue. Pourquoi continuez-vous à vivre avec David depuis le décès de votre sœur? David est comme mon père. Et j'avais promis à Linda que s'il lui arrivait malheur, je m'occuperais de la petite. Vous savez, David ne va pas tarder à revenir. Je suppose que Cinnamon et vous, vous étiez très proches. On était comme des sœurs. On a longtemps couché dans la même chambre. Avant l'époque où elle s'est installée dans la caravane? Oh, parfois, elle allait coucher dans la caravane, mais d'autres fois, elle dormait avec moi. J'aimais sa compagnie. Oui, mais alors qui a décidé qu'il fallait qu'elle vienne s'installer là? Mais c'est elle. Elle disait qu'elle voulait avoir un lieu bien à elle. Ah, David est rentré, le voilà. Bon, mais ce soir-là, elle devait dormir dans la caravane, puisque c'est à cause de ça qu'elle est venue vous voir pour le revolver. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Est-ce que vous avez touché le revolver à ce moment-là? Non. Avez-vous eu une autre arme en main ce soir-là? Non. Monsieur Livrette, il y a un problème? Oui. Le résultat des examens fait apparaître des traces d'antimoine sur les mains de Patty le soir du crime. Je cherche une explication. Vous n'avez pas touché le revolver ce soir-là? Non. On avait prévu de pique-niquer. Nous allons parfois dans le désert, on tire sur des bouteilles vides, des boîtes de conserve, etc. Patty avait préparé les armes avec moi dans la voiture. Et il a plu, on a été forcés d'annuler. Patty, veux-tu m'apporter mes pilules, s'il te plaît? Ma famille a beaucoup souffert ces derniers temps, inspecteur. Je pense qu'il serait préférable que vous fassiez cela à un autre moment. J'ai encore une question, monsieur Brown. Vous m'avez dit que Linda avait chassé Cinnamon de chez vous. Patty m'a dit que ce n'était pas vrai. Patty est très jeune. Elle n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Excusez-moi, inspecteur Livrette, ce n'est vraiment pas le moment. Ma santé est fragile. Et tout ceci me fatigue beaucoup. Alors si ça ne vous dérange pas... Est-ce que tu fais bien exactement tout ce que je t'ai dit? Je fais exactement ce que tu m'as dit de faire. Seulement, je ne comprends pas pourquoi ça dure si longtemps. Mais ce ne sera plus très long. Tu seras jugé dans un mois. Voyons, 30 jours, c'est pas très long. Ensuite, tout redeviendra normal. Mais je veux rentrer maintenant. Maintenant. Papa, j'ai envie d'être avec mes amis. Je veux plus vivre ici avec ces délinquants. Sini. Écoute-moi, c'est ma responsabilité de sortir la famille de cette histoire. Mais toi, de ton côté, il faut que tu tiennes le coup et que tu attendes encore un peu. Oui, mais je devais aller à la plage pour mon anniversaire. On avait tout prévu. Si tu tiens bon, on vivra sur la plage. J'y achèterai une maison.
T'en fais pas. Tiens, regarde ce que je t'ai apporté. Tu croyais que j'avais oublié? Bon anniversaire. Merci, papa. Tom, peut-on prolonger l'instruction? L'avocat de Cinnamon est prêt. Il va plaider non coupable pour instabilité mentale. Je ne peux toujours pas croire qu'une enfant ait pu faire ça. Votre impression personnelle est sans importance. Si elle maintient son témoignage, je ne peux rien faire d'autre. Mais il y a un tas d'éléments là-dedans qui ne collent pas. On en reparlera quand vous les aurez fait coller. En attendant, j'ai une action à intenter. Tom, bon Dieu, il me faut du temps. Mais on n'a pas le temps. Nous devons poursuivre avec ce que nous avons. Nous n'avons pas le choix. Et où as-tu trouvé ce revolver? Je l'ai pris dans le tiroir du bureau. 6 août 1985. As-tu demandé à quelqu'un comment t'en servir? Non. J'ai tiré 3 balles. Une dans ma chambre avec Patty, et les 2 autres sur Linda. Damon. Oui. Monsieur le Président, nous venons de voir une jeune fille de 14 ans soumise à des pressions et manifestement sous l'influence de la drogue. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'aveu spontané dans de pareilles circonstances. C'est pourquoi je demande qu'il n'en soit pas tenu compte. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Maître Lockwood. Cette déposition sera donc exclue. Monsieur l'avocat général, votre témoin suivant, je m'appelle à la barre le docteur Villa. Où est mon père? Son docteur a jugé que la tension serait trop forte pour lui et qu'il valait mieux qu'il ne vienne pas au procès. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Veuillez vous asseoir. Est-il exact que Cinnamon Brown est devenue votre patiente le 20 mars dernier? Oui. On l'a emmenée dans le service des urgences de l'hôpital de la prison et je l'ai soignée pendant les 3 jours qui ont suivi. Est-ce qu'à cette période, l'accusée vous a raconté ce qu'elle avait fait pendant les 24 heures précédentes? Elle a spontanément reconnu avoir tiré sur sa belle-mère à 2 reprises. Et avoir avalé 80 comprimés une demi-heure après. Les comprimés s'étaient renversés sur le sol et elle avait dû les ramasser un par un. Elle vous a dit les avoir avalés une demi-heure après avoir tiré sur sa belle-mère? Oui, c'est ça. Merci, docteur. Je n'ai plus de questions. Docteur Villa, n'est-il pas vrai que Cinnamon se trouvait sous l'influence de ces drogues, de ces comprimés dont vous parlez, au moment où elle vous a dit cela? Je lui ai parlé 24 heures après qu'elle ait avalé les pilules. Elle en avait déjà vomi la plupart à ce moment-là. Elle m'a paru lucide. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Ce que tu vas dire aujourd'hui est très important. Je compte vraiment sur toi. Je sais. Tu te rappelles bien ce que tu dois faire? Oui. Tu m'as demandé de faire tout ce que je pourrais pour la disculper. C'est ça, mais n'en fais pas trop, ne force pas. L'important, c'est qu'elle ait l'air d'avoir déconnecté, comme si elle délirait. Tu comprends? D'accord. Donne-moi mes médicaments avant de t'en aller. Ça m'amuse pas, tu sais, d'être dans cet état. J'aimerais t'accompagner. T'en fais pas pour moi, Seiya. J'en suis certain. T'as toujours été là quand j'en ai eu besoin. Le soir du crime, Cinnamon vous a semblé différente, n'est-ce pas? Oui, elle était mal, oui. Déprimée, comme si quelque chose l'embêtait. Aviez-vous eu l'occasion de l'avoir déprimée avant cette soirée du 18? Elle était d'humeur changeante. Oui, mais ces sautes d'humeur n'avaient jamais affecté ses rapports avec Linda, pas avant le soir dont nous parlons, le 18 mars. Non, pas à ma connaissance. Leur relation était normale. Je n'ai plus de questions. La nuit du crime, vous avez été réveillé par un coup de feu? Oui. Avez-vous vu quelque chose quand vous vous êtes réveillé? J'ai vu une sorte de silhouette qui fermait la porte. Une silhouette? Oui. Savez-vous qui c'était? Avez-vous reconnu la silhouette? Non. N'avez-vous pas déclaré que vous aviez vu Cinnamon Brown sortir de votre chambre? Non. Vous ne vous souvenez pas d'avoir dit au policier qui vous interrogeait la nuit du crime que vous aviez vu Cinnamon Brown sortir de votre chambre? Je ne me rappelle pas avoir dit ça, non. Mademoiselle Bellet, vous dites que vous avez de l'affection pour l'accusée, que vous la considérez comme votre sœur.
Oui, c'est exact. Ne cherchez-vous pas à protéger Cinnamon en nous dissimulant la vérité? Non. Je ne veux pas vous donner d'illusions, mais le procès tourne mal pour vous. Mais pourtant, Patty a dit que ce n'était pas moi. Oui, seulement tout le monde a vu qu'elle mentait. D'abord, elle a dit à la police qu'elle vous a vu à sa porte, et maintenant, elle veut nous persuader qu'elle ne sait pas qui c'était. Écoutez, mon petit. Je peux encore vous appeler à la barre et vous donner l'occasion de vous défendre. Mais comment je me défendrai? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cinnamon, ceci est votre dernière chance de dire toute la vérité. Mais je vous l'ai dit, je ne me rappelle plus rien du tout. Il est très difficile de prendre des décisions dont on sait qu'elles vont déterminer irréversiblement l'avenir de personnes aussi jeunes que celles que j'ai l'habitude de voir devant ce tribunal. Pourtant, Cinnamon Brown, je suis certain en mon âme et conscience que vous saviez parfaitement ce que vous faisiez en appuyant sur la détente pour tuer Linda Brown. Et vu les circonstances, je me vois dans l'obligation de vous condamner à la peine maximum de 27 ans de détention criminelle. Vous serez confié à l'institution pénitentiaire pour jeunes délinquants et j'espère que vous réfléchirez à la gravité de ce que vous avez fait et que vous chercherez à obtenir le pardon de vos crimes. C'est tout, l'audience est levée. Salut, je suis Ake Gonzalez, ton officier de probation. Je croyais qu'on en avait un une fois sorti de prison. Oui, eh bien tu vois, mon boulot à moi, c'est de veiller à ta réhabilitation. Que tu sois prête à sortir d'ici le moment venu. Il faut pas vous en faire pour moi, mon père a engagé un tas de détectives, alors je devrais partir bientôt. On a le droit au téléphone? Oui, 3 fois par mois et en PCV. Et tant qu'on y est, je vais te dire à quoi d'autre tu as droit. Tu as droit à 2 paires de jeans, 2 t-shirts et une chemise de nuit. Quand tes tennis sont usés, ta famille peut t'en envoyer d'autres, mais il faut qu'ils soient blancs. Il n'y a pas de couleur ici. Les gangs, c'est dehors. Écoute, ça peut aussi se passer mieux que ça. Tu peux finir tes études ici et même trouver un boulot sur place. De toute façon, je vous ai dit que je ne vais pas rester longtemps. D'accord. Si tu veux vraiment sortir de tôle, c'est facile, je vais t'expliquer. Tu dois faire bonne impression au conseil de probation. Ils examinent ton cas 1 fois par an. Tout ce qu'ils veulent de toi, c'est que tu assumes le poids de ton crime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois regarder en face les actes que tu as commis et te sentir coupable de ces actes. Si tu veux le faire, tu peux pas t'imaginer à quelle vitesse ta peine sera réduite, mais si tu ne le fais pas, tu passeras ta vie à te morfondre entre ces 4 murs. Tu m'écoutes, là? Bon. Le 27 septembre 1985.
pourquoi tu me fais clouer les fenêtres? Comment tu veux qu'un voleur grimpe jusque-là? Écoute, Patty, tu sais que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Je veux qu'on soit protégé au maximum. C'est pour ça que j'ai acheté ce système de sécurité. Et on se défend contre qui? Patty, un homme comme moi se fait des ennemis. Je ne veux pas prendre le risque qu'il vous arrive malheur, à toi ou au bébé. J'ai fait suffisamment de sacrifices comme ça, d'accord? Réponds. Allô? C'est toi, Patty? Laisse-moi, papa. Oui, ne quitte pas. C'est Cinnamon. Ah. Bonjour, ma grande. Je suis content de t'entendre. Tu m'avais pas dit que t'avais changé de numéro de téléphone. J'ai perdu deux coups de fil pour te trouver. Par un service de message, je te l'ai dit. On a trouvé une nouvelle maison. Elle va te plaire. Dès que tu sortiras de prison, tu auras ta chambre à toi avec ta propre salle de bain. Ma salle de bain, en ce moment, elle est dans ma cellule. On n'exagère pas. Ta prison, c'est un village de vacances comparé aux endroits où on met les adultes. Pourquoi est-ce que Patty est toujours là? Je croyais que grand-mère et grand-père étaient venus pour t'aider. Ouais, ils sont là. Mais il y a tant de choses à faire. Mon état de santé s'est sérieusement aggravé. Ma chérie, tu peux pas savoir les sales moments que j'ai passés. T'es pas le seul. Attends. C'est mes baskets, prends-les-moi. C'est la première, c'est la mienne. Quelle horreur ici, papa. C'est pas un endroit pour moi. Ma chérie, je te jure, crois-moi, je remue ciel et terre pour te faire sortir de là. J'ai tellement confiance en toi. Tu es bien plus résistante que moi. Dis-toi que moi, à ta place, j'aurais probablement fini par me suicider. Je sais pas pourquoi, mais toi, non. Tu vas tenir bon, tu as la force, tu as le courage. Mais rends-les-moi. Au fait, tu as reçu le colis que je t'ai envoyé. Oui, oui, je l'ai vu, c'est exactement ce que je voulais. Je vais t'envoyer le numéro de ma carte, comme ça... Tu commanderas direct. Bon, bon, oui, si tu veux. Mais papa, donne-moi le numéro de la nouvelle maison, ça me coûte un appel à chaque fois. Ma chérie, je regrette, mais je peux pas. Mon nouveau contrat, c'est avec le gouvernement, et c'est tout à fait top secret. J'ai pas voulu t'en parler plus tôt, mais... Mais les relations que je me fais vont m'aider à te faire sortir de là. Si, j'ai besoin de ce numéro. Chérie, qu'est-ce qui se passe? J'entends un bruit de dispute à côté de toi. Ça suffit! Arrêtez! Séparez-vous! Séparez-vous! Et toi, c'est le même, raccroche! Il y a deux filles qui se battent, la surveillante m'a dit de raccrocher. Tu viens le week-end prochain? Je vais essayer, ma chérie, je vais voir. Il va falloir que je raccroche. Je t'aime, moi aussi. Heureusement que tu es là, toi, tu sais, Patty. Comment je ferais sans toi? Nous t'écoutons. Dis-nous pourquoi tu as tué ta belle-mère. Je ne me rappelle pas, je vous l'ai dit. Mais tu t'es rappelé juste après l'avoir fait. Comment se fait-il que tu te rappelles plus maintenant? Mais j'en sais rien. Le jour où tu sortiras d'ici, tu auras 25 ans. Tu ne sauras plus ce que c'est qu'une vie normale. C'est ce que tu veux? Nous ne demandons qu'une chose. Une seule. De reconnaître ton crime et de nous en parler. Si tu ne veux pas attendre 10 ans avant de sortir, tu n'as pas d'autre solution que de parler maintenant. Alors, tu n'as vraiment rien à nous dire? Non. Bon, comme tu voudras. Mais nous te garderons jusqu'à ce que tu changes d'attitude. À nous deux, allons-y. Fais voir tes mains. C'est stupide. Vous croyez que vous trouverez quelque chose? Tu connais le règlement. Allez, les cheveux maintenant. Bon, tourne-toi et penche-toi en avant.
arrêter un peu de faire le ménage. T'as toute l'année pour faire ça. C'est Noël, bon sang. C'est la fête, maman. Fais quelque chose. Tiens, t'as qu'à jouer un peu avec le bébé. Ou alors approche-toi du sapin. Tiens, va avec Donna. Aide-la un peu. Comment veux-tu que j'ai envie de faire la fête? Alors que Cinnamon est en prison. Vous en faites pas, l'année prochaine, elle sera là, je vous le promets. J'ai confiance en toi. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Allez, maintenant, faites des gestes vers la caméra. Dites-moi bonjour. Prêt? 1, 2, 3. Allez, maman. Voilà, très bien. Et ma petite fille? Oui, ma petite chérie. Et regarde là-haut. Attention, je fais un zoom. Coucou. C'est Noël. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, merde. J'ai fini la cassette. Donna, Patty est en ville, elle peut me rapporter une cassette. Appelle son récepteur. Excusez-moi. Oh. Est-ce que je pourrais voir cette poupée? Bien sûr, madame, je suis là pour ça. Regardez, elle se rend comme des petits pains. Regardez, madame. Quel amour. Et voilà. Oh, elle ouvre, elle ferme les yeux. Mais enfin, où elle est? J'en sais rien, je l'ai appelée, elle répond pas. Commence. Non, Dan, ça fait rien, je vais le faire. Tiens ça. Excuse-moi. Je sais vraiment pas ce qu'elle a, mais elle est jamais où je la cherche. De toute façon, je me demande pourquoi elle habite ici. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tous nos amis! Joyeux Noël, monsieur Grodin! Bonne année à vous! 06, c'est à vous? Bon, 26,95. Merci. Bon, chèque ou liquide? Liquide. Merci beaucoup. Joyeux Noël! Joyeux Noël à vous aussi. Merci d'être venu. Merci. Tu étais? Bah, tu sais bien où j'étais. J'étais allée chercher une poupée pour Ambre. Regarde. J'ai essayé de te joindre.
parce que j'avais besoin d'une cassette pour la caméra. Alors j'allais te dire d'en rapporter. Maintenant, j'en aurai pas pour demain matin. Votre fête de Noël va être fichue à cause de toi. Tu veux que je retourne au magasin? Écoute, tu sais que si je t'ai donné ce petit récepteur, il y a une raison. C'est que je tiens à m'assurer que tout va bien, que t'as pas eu d'ennui, c'est tout. Si tu veux que je repasse au magasin en acheter une, dis-le-moi. Non. Je t'en prie, Patty, fais pas cette tête-là. C'est le réveillon de Noël. Et on va fêter ça comme il faut, toi et moi. Il faut pas que tes parents nous voient. Personne ne nous verra, tout le monde est allé dormir. Mais suppose qu'ils ne dorment pas. Patty. Oh, c'est fou, ça. Tu te fais toujours du souci pour ça, mais arrête un peu, c'est pas vrai. Je veux mon cadeau de Noël maintenant. Patty. Il faut bien que l'argent de Brown vienne de quelque part. Avant même que sa fille soit condamnée, il avait allongé 300 000 dollars pour sa baraque. Ah oui, vous avez vu ce qu'il a touché de l'assurance. 100 000 dollars en assurance vie, plus 100 000 encore pour mort accidentelle. Rien que ça, ça couvre les deux tiers. Non, non, c'était plus. Attendez, j'ai ça ici. Moi, j'ai un total de 400 000. La Capital Life, c'est le nom de la compagnie. La Capital? Capital Life. Non, c'est pas ce nom-là que j'ai. Non, c'est National d'assurance. Oh, 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 putain. Ah, alors, il avait plusieurs polices, l'enfoiré. Oui, j'en ai l'impression. Tenez, commencez à la lettre A. On va voir combien de fric ce salaud a vraiment ramassé. Non, laisse-moi le temps. Patty ? Salut. Ah, te viens voilà. Par là, je vais te montrer ce que je viens de m'acheter. T'as dû faire des folies. Ils ont des trucs super dans ce magasin. Salut David. Salut. Bonjour Patty, ça va ? Oh, t'en as une. Bonjour. Pas. Alors, t'as trouvé ? Viens voir. Vois, ça tirait bien, cette combinaison. Oh. Regarde. David n'aime pas que je porte ce genre David, de vêtements. David, arrête. Il s'y connaît à la mode, lui. Allez, demain, je t'emmène faire des courses. Dis oui. Oh, je ne sais pas si je pourrais. Tu peux jamais. Il y a une raison. Patty, viens, j'ai quelque chose à te montrer. Néola. Ouvre ça. Ben vas-y, dépêche-toi d'ouvrir. Oh. Alors, est-ce que ça te plaît? Elle est superbe. Ben toi alors, quelle chance tu as. On a envie, Bob et moi, d'aller faire un tour à Las Vegas. Alors, on a pensé que si vous étiez d'accord, vous viendriez avec nous et que là-bas, on se marierait. Oh, oui. Toi, alors, t'es pas difficile à convaincre. Viens, je t'ai toujours dit que le moment venu, on allait se marier. Voilà, ça y est. T'en fais pas, personne ne le saura, à part Bob et Néola. Mais tout de même, il y a Linda. Oui, eh bien quoi? Oh, voyons, Patty, c'est pas parce que Linda est morte que nous, on n'a pas le droit au bonheur.
Il a encaissé près $1 million des assurances sur la mort de sa femme. La dernière police, il l'avait souscrite un mois avant le meurtre. La seule solution, c'est de faire parler Cinnamon. Oui, je comprends. Vous êtes notre seule chance, Gonzalez. Moi, j'ai pas le droit de la voir. Je vais voir ce que je peux faire. Si elle vous résiste, forcez-la. C'est rien que des mensonges. Veux-tu m'écouter? Je viens de recevoir un coup de fil de l'enquêteur qui est chargé de cette affaire. David a touché près $1 million. Mais c'est faux, j'en suis sûre. Comment peux-tu en être sûre? Parce que mon père m'en aurait parlé. J'avoue que c'est complètement idiot de dépenser une somme pareille pour une bague, alors que je pourrais jamais la mettre. Mais non, voyons, au contraire, que personne ne sache, c'est plutôt romantique. On pourrait tout de même en parler à tes parents, au moins, non? Non, ils comprendraient pas. David, tu crois que c'est une vie, ça? J'ai envie de faire des choses, de sortir de la maison. Tu te rends compte, j'arrive pas à parler au téléphone à mes parents sans que tu écoutes la conversation. Patty, ta place est avec moi, d'accord? Actuellement, je travaille sur des projets qui vont changer la face du monde. Et quand on a des responsabilités de cet ordre-là, on doit accepter de faire quelques sacrifices. Mais j'y peux rien, moi, c'est ce que je ressens. Ta mère est sans arrêt en train de me donner des conseils. J'arrive même pas à élever Ambre comme je voudrais. Peut-être que tu devrais avoir un bébé à toi. À moi? Ouais, t'as bien entendu. Quoi, tu voudrais bien? Ah oui, pourquoi pas? Tu sais, David, j'en ai toujours rêvé. J'ai jamais rien eu qui soit vraiment à moi. Je ne souhaite qu'une chose, te voir heureuse. Mais attends, à une seule condition, attends. La seule condition, c'est de ne jamais dire à personne qui est le père de l'enfant. Jamais. Si tu veux, mais il faut tout de même qu'il ait un père. On va t'inventer un petit ami. On l'appellera Doug. D'accord. Doug. L'essentiel, c'est que j'ai un bébé à moi. Si ça tenait qu'à moi, je viendrais tous les week-ends te voir. Tu le sais bien, hein? Mais j'ai d'énormes responsabilités actuellement. J'ai le Patagone, la NASA, j'ai tout un tas de mecs sur le dos en permanence. Tu sais, j'ai découvert celui qui a tué l'équipage de la navette spatiale. Mais alors, tout ça, m'est égal. J'ai envie de rentrer chez moi. Bien sûr, mais en ce moment, je travaille aussi sur un autre projet. C'est assez risqué. Tu vois, c'était avec mes copains de la CIA. Alors j'ai pas envie qu'on parle de ça. Patty, elle a tout alors que c'est même pas ta fille. Non. Non, ça c'est pas vrai. Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est faux. Patty est en train de te chercher un appartement. Ma chérie, excuse-moi, j'ai besoin de filer aux toilettes. Pardon. Votre attention, s'il vous plaît. Les visiteurs devront partir dans 10 minutes. Votre attention, s'il vous plaît. Les visiteurs devront partir dans 10 minutes. J'ai essayé d'apporter des fleurs, mais c'est pas autorisé. Oui, je sais, on n'a même plus le droit de recevoir des fleurs. C'est pour ça que je t'ai apporté un paquet de graines, pour que t'en fasses pousser. Si tu savais la peine que ça me fait de voir ma petite fille grandir ici. Moi aussi, j'ai de la peine, grand-père. C'est pas normal. Je sais, moi, qu'il faudrait mettre en prison. Et c'est pas toi, ma chérie. Tu
J'ai quelque chose à vous dire. Vas-y. Voilà, je crois que vous devriez parler à mon grand-père. Pourquoi ? Il m'a dit que ce n'était pas normal que je sois là. Ah oui. Oui, il a dit qu'il sait qui il faudrait arrêter. Janvier 1987. Pardon, monsieur. Est-ce que je peux vous parler ? À quel sujet ? Vous êtes bien Howard Brown ? Oui. Les responsables de la prison où se trouve votre petite fille m'ont demandé de venir vous voir. Elle a été un peu secouée par une conversation qu'elle a eue avec vous. Mais je vois vraiment pas ce que je lui aurais dit. Écoutez, ça me gêne de vous parler comme ça dans la rue. D'abord, je voudrais vous demander de ne parler de cette conversation à personne. Ça doit rester entre vous et moi. J'aimerais éviter de perturber la jeune Cinnamon davantage. Cinnamon est une gentille gamine. Je l'aiderai autant que je pourrai. Vous ne lui avez rien dit de nature à lui donner de faux espoirs, hein ? J'ai dit que je regrettais de rien pouvoir faire pour elle, enfin rien qui puisse réduire sa peine de prison. Elle n'a rien à voir avec cette histoire, je l'ai toujours su. Je l'ai jamais cru et je le croirai jamais. Vous lui avez dit que vous connaissiez l'assassin ? Pas directement comme ça, non. Que lui avez-vous dit ? Ben, c'est Patty, la jeune fille dont David continue à s'occuper. Elle a entendu Linda dire au téléphone qu'elle voulait se débarrasser de David et garder le contrôle de l'affaire. Et alors Patty a dit qu'elle aimait trop David pour la laisser faire et que si ça arrivait, elle éliminerait Linda d'abord. Comment le savez-vous ? Je l'ai entendu dire ça avant le meurtre. Pourquoi n'êtes-vous pas allé prévenir la police ? Si j'avais pensé que ça intéressait le tribunal, croyez-moi, j'en aurais parlé à quelqu'un depuis longtemps. Je vais faire quelque chose pour vous. Oui. Je suis Paul Dreyer de l'immobilier La Salle. Nous avons deux clients qui cherchent à acheter dans le quartier. Vous ne connaissez personne qui serait vendeur par ici ? Non, franchement, je vois pas. C'est bien ce que monsieur disait. Remarquez, ça se comprend. Le coin est joli. On s'y plaît bien, ouais. Enfin, si jamais quelque chose se libérait, tenez-moi au courant. Oui, comptez sur moi. C'est un flic, ce type-là, non ? Écoute, papa, je t'ai vu lui parler pendant une plombe. C'est un flic, c'est bien ça ? Tu ferais bien de faire le ménage chez toi. Balayer devant ta porte. Qu'est-ce qui te prend ? T'es malade ? David, tu aurais tort de croire que j'ai pas compris pour toi et Patty. Je sais très bien ce qui se passe. Je suis pas complètement saigné. Je suis chez moi, ici, vu. Et je n'ai aucun conseil à recevoir de toi. La moindre des choses, ce serait que tu ailles voir ta fille un peu plus souvent. C'est notre acte de mariage. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois pas, non ? Où est la cassette vidéo du mariage ? Où elle est ? Sur l'étagère. Mais pourquoi tu fais ça ? Mais où elle est ? Merde ! Il y avait un flic qui fouinait autour de la maison ce matin, c'est clair ? Je croyais qu'en ayant ce bébé, toi et moi, ça irait un peu mieux. Oh, ferme-la ! Je voulais que les choses changent. Personne ne doit savoir qui est le père de ton bébé. Tu m'entends ? Jamais personne ne doit le savoir. Jamais ! C'est bien. Comment vas-tu ? Oh, ouf. En tout cas, les flics ont parlé à ton grand-père. Ne crois pas que tu aies agi seul. Est-ce qu'ils vont m'aider à sortir d'ici ?
t'aideront s'ils peuvent. Mais ce sont les preuves qui leur manquent. Et il n'y a que toi qui puisse dire la vérité. Mais vous savez bien que je me souviens plus de rien. Tu devrais peut-être encore essayer. On pourrait discuter de tout ce qui s'est passé ce jour-là et peut-être que quelque chose reviendrait. Non ! Ça ne marchera pas. Je vous l'ai déjà dit, pourquoi personne ne m'écoute jamais ? C'est l'heure de mon cours. Bon, faut que j'y aille. Les contractions deviennent de plus en plus fortes. On respire profondément, les mains sur les genoux, remontez bien les genoux, le menton sur la poitrine, les coudes levés, expiration, voilà. Surtout, attention, bien à fond l'expiration, courage, voilà, oui, c'est ça. Sous les genoux, vos mains. Très bien. Quand vous voulez relever la tête, vous rejetez tout l'air qui est dans vos poumons. Et on reprend, respiration, les genoux en arrière, le menton sur la poitrine, voilà. C'est bien la tête, c'est fort. Oui, attends, je dois téléphoner à David. Suite. Oui. C'est pas parce qu'il est ton mari qu'il a le droit d'envahir toute ta vie. Je sais, non, mais tu comprends pas. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas? David? Non, le cours a commencé en retard. T'es là, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cet enfant. Écoute, tu veux qu'on en parle? Qu'on en parle? J'ai le droit de parler à personne. Tu es la seule amie que j'ai le droit de voir, et encore. Et encore, c'est parce qu'il ne veut pas m'accompagner à mes cours. Patty, tu as le droit à une vie personnelle, le droit de faire ce que tu veux. Tu es libre, voyons. J'aurais même pas dû te dire ce que je viens de te dire. Veux-tu que je te suive avec ma voiture? Non, ça va aller. T'es gentille, ça va aller. Merci. Tu veux me dire pourquoi tu rentres si tard? Je t'ai dit, le cours n'a pas commencé à l'heure. J'ai jamais été d'accord pour que tu ailles à ces cours. Si t'es assez grande pour avoir un bébé, t'as aucun besoin de conseils. Linda y est allée aussi. Linda n'est jamais rentrée à la maison en retard. Elle, surtout pas avec ses copines. Je veux savoir où tu étais, Patty. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé voir les mecs, c'est ça? On n'est allé nulle part. N'essaie pas de mentir. Je sais que tu mens. Je t'ai vu quand t'es en voiture. Tu n'arrêtes pas de reluquer les hommes, tu les déshabilles du regard. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais ce qui se passe dans ta tête. Tu voudrais que je sois beau, que je sois quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je demande à un chirurgien de me refaire la gueule? Tu veux que je fasse du sport, de la gym, quoi? Dis-moi ce que tu veux, Patty. Vas-y, dis-le-moi, je le ferai. J'ai envie d'une seule chose, c'est d'avoir une vie normale. Bon, j'étais malade de peur parce que t'étais en retard. Tu comprends? Je pourrais pas vivre sans toi, Patty. Je survivrais pas. Allô, c'est le service des messages? Oui, mademoiselle. Je suis Cinnamon Brown. Passez-moi la maison, s'il vous plaît. Allô? Allô, grand-père. Bonjour, ma grand-mère. Est-ce que papa est là? Non, il est sorti. Il n'est pas à la maison pour l'instant. Il est allé déposer Patty chez son médecin. Mais je ne comprends pas. L'autre jour, il m'a dit qu'elle n'habitait plus à la maison.
Oh, mais si, elle est toujours là. Et j'ai pas l'impression qu'elle va déménager de sitôt. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle est enceinte, ma grande. Enceinte? Oui. Savoir où tu vas? Une amie de Marie m'a invité à venir chez elle dans l'Oregon. Dans l'Oregon? C'est ridicule. T'es jamais allé à plus de 100 km d'ici. Qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Elle dit que je trouverai du travail là-bas. Oh, je t'en prie. Tu t'es vu qui va te donner du boulot, tu rêves? Tu sais rien faire de tes 10 doigts. T'as aucune qualification, t'as rien. C'est à peine si tu sais lire et écrire. La faute à qui? Bon, d'accord. Et tu comptes payer ton voyage comment? Pour aller dans l'Oregon? Qui va payer la facture à la maternité pour ton accouchement? Tu y as réfléchi? Tu vas t'adresser à ta famille? Tu te fous le doigt dans l'œil? De toute façon, ils ont pas un rond. Et j'aimerais bien savoir la tête qu'ils feront en apprenant que t'es enceinte. David, je sais tout à propos de toi et Donna. Et c'est pour ça que tu pars? Donna m'a dit que tu étais son petit copain. J'y peux rien, elle doit prendre ses désirs pour des réalités. Mais si tu veux me laisser tomber pour une bêtise comme ça, alors vas-y, va-t'en. Mais ne compte pas sur moi pour payer la note. Tu vas pas rembourser l'accident de voiture, alors? Quoi? Quoi? Non, mais c'est pas vrai. Je rêve. Non, mais qu'est-ce que tu fais du tout le fric que tu me dois pour t'avoir nourri et logé toutes ces années? Qu'est-ce que t'en fais? Tu vas me le rembourser, cet argent? Toi, alors, il y a des moments où j'ai du mal à te suivre. Patine. Donna, c'est une pauvre fille. Je reconnais que j'ai eu pitié d'elle. Oui, c'est vrai. Elle avait juste besoin de tendresse, tu vois, c'est tout. Pas de quoi être jalouse. D'accord? Regardez-moi. Elle ne représente absolument rien pour moi. Donne-moi ta valise. Allez, viens. Je crois que je suis en train d'accoucher. Tout à fait, et c'est sans garantie. Grâce à ma méthode, j'obtiens les meilleurs résultats. Si les données sont récupérables, je les récupère. Ah, David. Oui, j'ai entendu. Je crois qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Vas-y toute seule. Prends ta voiture, je peux pas t'accompagner. Pourquoi est-ce que tu me conduis pas? J'arrête pas de faire le même cauchemar, le même tous les soirs. Je vois les flics qui viennent m'arrêter. Je suis à l'hôpital avec toi et soudain, les flics viennent m'arrêter. Tu vas me laisser y aller toute seule? Tu me conduis même pas jusqu'à l'hôpital? Je vois pas à quoi je pourrais te servir là-bas. C'est mon bébé. Je vais avoir mon bébé sans personne. J'y arriverai, j'y arriverai. Allez, allez, allez. Tu y arriveras, tu y arriveras. C'est la 3e fois que nous nous voyons. C'est bien ça? Oui. Tu as mis tout ton temps à profit. Tes conseillers, ton agent de probation, tout le monde est satisfait de ton comportement.
m'appelle Patty Bailey et je vais voir mon bébé. Il semble pourtant que tu refuses toujours de faire face au crime que tu as commis. Le mieux serait de reparler de cette fameuse nuit. Veux-tu nous dire où tu as pris l'arme ? Non, ils l'ont transférée. Plus de cigarettes. Tous les examens ont été faits. Oui, docteur. La décharge est signée. Tu veux mon avis ? Je crois que tu mens. Et si tu nous mens, c'est pour protéger quelqu'un. Un, deux, trois, quatre. Allez, Patty, poussez. Oui. Tu as traversé le couloir sans faire de bruit. Tu es entré dans la chambre de ta belle-mère et d'après le rapport, tu t'es approché du lit. Tu as pointé le revolver à 10 cm de son corps. Et là, tu as appuyé sur la gâchette. Tu te rappelles ? Tu sais qu'il a touché de grosses sommes des assurances. Il s'est acheté une maison, une voiture étrangère. Il a même une piscine. Tu n'as rien à nous dire, alors ? Rien du tout ? Non ! Si tu ne nous aides pas... On ne peut rien pour toi. Poussez! Poussez! Là, très bien! Il a juré de me sortir de prison. Je commence à croire que c'est pas vrai. Eh ben, peut-être que ton père ne t'a pas dit toute la vérité, Sidney. Crois-moi, il s'ennuie pas dehors, ton père et Patty. Grâce à l'argent de l'assurance, ils vivent comme des rois. Et maintenant, Patty va avoir un bébé. Et je serais pas étonné que cet enfant ressemble à David. Je sais pas ce que je deviendrais sans toi, Dana. C'est une belle petite fille. Entrez. Oui. Je n'ai pas tué Linda. Mon père m'a forcé à dire que c'était moi. Allez, on y va, c'est l'heure maintenant. Ça va ? Ça va. Courage. Monsieur Carter. Bonjour, Cinnamon. Tu te souviens de l'inspecteur Livrette qui s'est chargé de l'enquête au début? Bonjour. Bonjour. Bon. Eh bien, on va commencer. Je vais enregistrer notre conversation sur un magnétophone. Oui, mais mon père, alors... 10 août 1988. On va lui faire écouter. Non. Non, non, il ne l'entendra pas. Est-ce que tu as peur de lui ? Ben, il a énormément d'influence sur moi. Rassure-toi, cette bande ne sera entendue par personne en dehors des policiers, des fonctionnaires, du procureur. On y va ? Commençons par le commencement. Voyons.
Reporte-toi 3 années en arrière et dis-nous tout ce que tu te rappelles. Bien, j'ai tellement travesti la vérité que je me suis mise à y croire moi-même. Croire à quoi? Aux histoires que mon père m'a demandé de raconter. L'essentiel, c'est que tu prennes ton temps. Patty avait entendu Linda dire au téléphone qu'elle allait éliminer mon père. Alors ils m'ont dit qu'il fallait absolument intervenir pour empêcher ça. Pourquoi Linda voulait-elle tuer ton père? Je ne sais pas, elles m'ont dit qu'elle voulait récupérer la compagnie et l'argent pour elle. Et tu les as crues? Je voulais pas le croire. Parce que j'aimais Linda. Mais Patty m'a dit, tu connais pas Linda. C'est ma sœur et je sais qu'elle est capable de le faire. C'était moi qui devais me charger de la tuer car je risquais qu'une peine légère à cause de mon âge. Et mon père me répétait sans arrêt, si tu m'aimes, tu dois le faire. Parle-moi du soir où ça s'est passé. Mes grands-parents étaient venus à la maison et puis ils sont rentrés chez eux. Et je croyais qu'il ne se passerait rien ce soir-là. Patty et moi, nous nous sommes couchés. Et il est venu me réveiller un peu plus tard. C'est là qu'il m'a donné les médicaments pour faire croire que j'avais tenté de me suicider. Mais moi, je voulais pas. Je lui ai dit oui, mais suppose qu'il ne se passe rien. T'en fais pas, il m'a dit, il se passera quelque chose. J'ai l'impression que Patty est prête à le faire cette nuit. Ensuite, il m'a dit d'aller chercher le petit mot et d'aller dans la niche du chien. Après ça, j'ai entendu un bruit et il m'a semblé que c'était un coup de feu. Je suis allée dans la niche avec les chiens, comme il m'avait dit. Je suis restée là, toute tremblante. Et j'ai encore entendu 2 nouveaux coups de feu, très rapprochés l'un derrière l'autre. Où se trouvait David à ce moment-là? Bien, je savais qu'il n'était pas dans la maison parce que j'avais entendu sa voiture démarrer juste avant. Comment pouvais-tu en être sûre? Je l'ai vu par-dessus la barrière. J'ai reconnu sa voiture. Il n'y avait que Patty et le bébé dans la maison quand les coups de feu ont été tirés. Nous tenons Brown, cette fois je le tiens dans ma main. Bon, alors récapitulons. Quand elle avait 14 ans, il y a 4 ans, elle a avoué avoir commis le crime. Aujourd'hui, elle accuse Patty Bailey. C'est ça. C'était en 85. Oui, mais à l'époque, ça semblait déjà difficile à croire. Vous n'avez pour l'instant que la parole d'une gamine condamnée à une lourde peine. C'est peut-être un peu juste. Mais pour Dieu, on a $1 million en assurance vie. Qu'est-ce qu'il vous en savez plus sur Patty Bailey que sur Brown? Cinnamon prétend que c'est elle qui a tiré. Tom, nous tenons Brown pour complicité. Oui, ou alors on peut le coincer pour homicide avec circonstances particulières. Je suis persuadé de la culpabilité de ce salaud. D'accord. Mais je veux un dossier en béton contre lui avant d'aller plus loin. Inutile de risquer qu'il nous échappe parce que les preuves sont insuffisantes. Oh, attendu. La faiblesse de Brown, c'est qu'il parle trop. On va lui tendre un piège qu'il mènera en prison. Qu'est-ce que t'en sais si je vais bien ou pas? Tu viens jamais me voir, jamais. Chérie, crois-moi, c'est très difficile. J'essaie, mais tu peux pas savoir le mal que je me donne pour que ça aille bien à la maison. Bon, allez, pareil. Je suis malheureuse, tu sais, vraiment. J'ai besoin de parler à quelqu'un, mais bon, tant pis. Si tu viens pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Parce que moi, je vais devenir folle. Une minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux parler avec qui d'autre? J'ai le droit d'avoir des visiteurs ce week-end. Alors promets-moi que tu vas venir. Oui, oui, je vais essayer. Je te jure, ma chérie, je viendrai. Ou alors c'est vraiment qu'il y a une raison, que je suis mort ou je sais pas quoi. Mais je vais essayer. D'accord. Tu sais bien que je t'aime. Oui, je t'aime aussi. Salut. Je vais te demander de soulever ton tricot, Cinnamon. Vous saviez que mon père et Patty avaient un bébé? Nous savons un tas de choses sur eux. Où ils habitent, comment ils vivent. Vous en savez plus que moi. Mon père refuse même de me donner son adresse. Ça te sert pas trop, ça va? Il ne le sentira pas s'il s'approche pour m'embrasser. Ah, il faut que tu sois très prudente. Hein. Mais l'important, c'est d'agir normalement. Je serai protégée contre lui après. Si on réussit à l'amener devant un juge, tu auras toute la protection à laquelle ont droit les témoins. En attendant, ce qu'on fait là ne regarde personne.
Il est là. Rappelle-toi. Il faut qu'il nous dise qui a tué Linda. Et pourquoi elle a été tuée. Allons-y, tu vas être formidable. Pour toi, tu sais, t'avais l'air bouleversée au téléphone. Oui, je me sens pas très bien depuis quelque temps. Je sais plus où j'en suis. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Tiens, viens, on va aller sous un arbre, tu veux? Ouais. Ils m'ont dit que j'avais aucune chance d'être libérée tant que je leur dirais pas la vérité. Mais pourquoi est-ce qu'ils te chercheraient des histoires? Tu travailles bien, t'as ton examen. Côté discipline, ils n'ont aucun problème avec toi. Oui, mais je veux dire la vérité, papa. Tu m'as menti. Et si on veut, c'est un grand mot, mentir. Il a pu m'arriver de rigoler, de plaisanter quand je te faisais des niches, que je te planquais ton propre corps. Mais t'arrêtes pas de me poser plein de questions sur les assurances vie. Moi, je sais pas quoi leur dire. Ça, c'est leur petit jeu. Ils voudraient te faire avouer n'importe quoi. Ils disent que je l'ai fait pour toi. Tu avais des assurances sur Linda. C'est normal, c'était mon associé. Mais les assurances ne paient rien en cas de meurtre commis par un membre de la famille, tu sais. Même moi, je ne peux plus trouver de compagnie qui veuille bien m'assurer. Mais alors pourquoi Linda a-t-elle été tuée? Tu sais pourquoi Linda a été tuée? Elle voulait être envoyée chez ta mère et toi, tu voulais pas. Elle voulait te chasser de la maison. Tu veux que je devienne complètement folle, c'est ça, hein? Alors que je te demande simplement de me dire la vérité. Pourquoi, Adi? Voilà, Linda. Linda était trafiquante de drogue. Elle fréquentait toute une bande de criminels. Elle avait décidé de me faire liquider par un tueur. Papa! Cinnamon, je te jure, c'est la vérité. Après tout, tu savais qu'elle voulait se débarrasser de moi. Elle a été tuée afin d'empêcher ça. Moi, je voulais pas. Non, je vous l'ai dit d'ailleurs, à toi et à Patty. Je voulais pas me mêler de ça. Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? Sinon... Écoute. Connaître la vérité ne t'aiderait pas là où tu en es maintenant. Ça ne servirait à rien. Sinon à attirer des ennuis épouvantables à d'autres personnes. Tous ceux qui ont été au courant avant devraient aussi être condamnés. Tu vois? Au lieu qu'il y ait une seule personne de punie, tout le monde devrait l'être. D'après toi... Ce serait normal que tout le monde ait sa vie gâchée. Hein? Tu sais bien que ça me tuerait. C'est ça que tu veux? J'ai rien fait. Pourquoi est-ce que ce serait moi qui devrais trinquer? Si tu n'as rien fait, alors tu veux me dire qui l'a tué? J'étais même pas dans la maison. Moi, j'étais dehors. J'étais droguée au moment où ça s'est passé. D'accord. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que c'est Patty qui l'a tué? Toi, tu sais. C'est pas vrai. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? J'ai fait exactement ce que tu m'avais demandé et je t'ai obéi. J'ai toujours fait ce que tu c'est me vrai. Demandais. Oui, je sais. Oh, quelle conne j'ai été. J'étais trop jeune. Je t'aimais tellement. Je me suis complètement fait avoir en acceptant. Chut, allons, calme-toi. Mais tu t'es pas fait avoir. Tu sais, ton grand-père l'aurait fait sinon vous n'étiez pas chargé. Le grand-père, non, il aurait pas tué Linda. Non, grand-père, il aimait Linda. Tu connais mal ton grand-père. Tu te fais une fausse idée de lui. Je crois que je me suis fait des fausses idées sur tout le monde. Écoute, c'est bien que tu m'aies parlé. Hein. Maintenant que tu m'as dit la vérité, je vais voir ce que je peux faire. Mais en attendant, tu ferais mieux de t'en tenir à ce que tu dis depuis le début, d'accord? Sini. Cinnamon. Alors? Alors quoi? Vous croyez que ça va m'aider? Cinnamon, je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. J'ai quand même essayé.
Il n'a rien dit qui prouve qu'il vous ait obligé à commettre un crime, Patty et toi. Alors autrement dit, j'ai fait tout ça pour rien. Non, non, pas pour rien. Il sait ce qui s'est passé. Mais si Patty a appuyé sur la détente, alors il faut qu'on la fasse venir elle aussi. Va falloir que je remette ça. Je suis désolé, Cinnamon, mais il n'y a aucun autre moyen. Je comprends pas pourquoi elle veut me voir maintenant. Jusque-là, elle a toujours refusé de me voir. Elle est en train de craquer. Je crois qu'il faut essayer de l'aider. J'ai tellement de peine pour elle. Dans ce cas-là, tu peux faire une chose, c'est de la laisser dire ce qu'elle veut, sans la contrarier. Tu écoutes et tu fais semblant d'être d'accord. J'aimerais qu'on puisse la faire sortir. Et si ça devient trop dramatique, dis-lui que tu iras en prison à sa place. Comment est-ce que je pourrais faire ça? J'ai un bébé qui a besoin de moi. Tu n'auras pas à le faire, ma chérie, mais c'est simplement pour lui remonter le moral, en attendant que je trouve un meilleur moyen. Alors, je croyais que tu voulais qu'elle revienne à la maison. C'est vrai, oui. Bon, alors tu fais ce que je t'ai dit. Tu l'écoutes sans la contrarier. Tous les visiteurs doivent passer par le service de sécurité avant d'entrer. Tous les visiteurs doivent passer par le service de sécurité avant d'entrer. Vous pouvez y aller. Avancez, s'il vous plaît. Salut. Vichila. Comment ça va, ma grande? Bonjour, chérie. Alors, ça va, oui. Ta bonne mine. Où est ton bébé? Je l'ai laissé à Donna. Je parie qu'elle est mignonne. T'aurais pas une photo? Bien sûr, tu penses bien. Vas-y, montre-lui. Tiens, donne-moi tout ça. Il te ressemble, papa. Tous les bébés sont pareils. Mais alors, qui est son père? Ben, c'est un garçon qui s'appelle Doug. Seulement, tu vois, Patty n'aime pas beaucoup qu'on en parle. Il l'a abandonné. Il s'est cassé. Ouais. Tiens, Patty, emporte tout ça avec toi et... Oh, la table là-bas, va la réserver avant que quelqu'un d'autre la prenne. Tu veux bien? Allez, vas-y. Oh, si tu savais, ma chérie, ce que j'ai pu avoir à la trouille depuis 15 jours. Après ce que tu m'as dit à propos de Patty. Ou alors vous venez? La pizza, ça se mange chaud. Allez, viens. Alors, laquelle tu veux? Fromage ou napolitaine? Tiens, goûte celle au fromage. Papa, tu lui as raconté notre conversation de la dernière fois? Ah oui, oui. Patty et moi, on s'est mis d'accord pour qu'elle te remplace ici. Pas vrai? Oui. J'aime tellement David. S'il me le demande, je ferai n'importe quoi. Mais tu sais qu'on t'aime beaucoup, toi aussi. À la vie, à la mort. Mais pour l'instant, il vaut mieux t'en tenir à ta méthode de défense. Tu te souviens plus de rien. C'est vraiment ta solution universelle. Enfin, tu sais bien que personne ne pourra jamais te croire capable d'avoir commis un meurtre. Pas toi, tu es trop adorable, mignonne et drôle comme moi. J'en suis bien incapable, c'est vrai. Il va falloir que j'invente quelque chose. Ils vont me demander où elle a pris les pilules. Bah, tu les lui as données. C'est pas vrai, elle me les a pas données. On fera comme tu veux. Mais pourquoi ne pas dire la vérité? Ben, on ne sait plus où elle est, la vérité. Aucun d'entre nous ne se rappelle très clairement. Tout ce que je me rappelle, c'est que je tenais le bébé dans mes bras. Alors tu dis que ce n'est pas toi qui a tiré? J'en suis certaine. Mais alors qui c'était? Et comment je le saurais? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah, c'est pas vrai. Et tu te rappelles pas de ce que papa t'a dit de faire de ma lettre? Non, je me rappelle que ce que j'ai lu après dans les journaux. Pourquoi vous mentez comme ça? C'est toi qui m'as envoyé chercher la lettre et tu m'as dit de détruire les brouillons que j'avais faits. Tu m'as fait prendre les comprimés. Ne me dis pas que tu n'y étais pas. Moi, avec tous ces mensonges, je suis en train de devenir cinglée. Pourquoi essayez-vous de me persuader que j'ai fait ça toute seule? Une minute. Est-ce que tu ne te rappelles pas le moment où je suis sortie de chez nous? Ma chérie, tu ne te souviens pas que j'ai dit « Si jamais quelqu'un a envie de me tuer, eh bien, il a qu'à essayer. » Mais c'est pas vrai, t'as jamais dit ça. On était dans ta chambre, on allait se mettre au lit. Il est entré et nous a fait venir dans le salon. Oui? Il faut que nous le fassions cette nuit. Ça doit être fait cette nuit, alors il faut qu'on en parle. C'est pas ce qu'il a dit? Non, j'en sais rien. Pourquoi vous ne voulez pas m'aider? J'ai rien fait, moi! Attends. C'est toi, Patty, qui les a entendus au téléphone comploter contre moi. Voilà. C'est donc Patty qui s'est occupée de mettre au point le plan destiné à les empêcher de me tuer. Écoute, je veux bien tout ce que tu voudras. Mais ça doit avoir l'air vrai. Je dois d'abord te couvrir toi, le couvrir lui, autrement dit, couvrir tout le monde. Tout ce que je veux, c'est que Patty dise la vérité, un point, c'est tout. Mais Sini, il n'y a pas de vérité.
La visite est terminée. Tous les visiteurs sont priés de partir. Si Patty l'a tué, alors c'est elle qui mérite d'être ici. La visite est terminée. Donne-moi le temps de réfléchir pour régler tous les points de détail, d'accord? Je t'aime. Il est pas vrai, ce mec. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on l'en tient assez pour plaider la complicité? Non, c'est foutre rien. Personne ne dit les choses clairement dans cette famille. Ils parlent par énigmes. Je suis persuadé que si vous faites témoigner cette gamine au tribunal et si vous la laissez raconter son histoire, n'importe quel jury au monde trouvera son père coupable. D'abord, il faut l'amener lui devant le tribunal. Parfaitement. On fait quoi, alors? Je dis qu'il faut tenter le coup. On passe l'affaire au procureur. Tu veux vraiment m'envoyer en prison? Comme ça, c'est moi qui vais porter Laissez toute la responsabilité, c'est ça? Laissez-lui compte que ce plan ne peut pas marcher. Elle va y réfléchir et elle comprendra vite, t'inquiète non, pas. Non, je ne suis pas aussi sûre que toi. Suppose qu'elle parle à la police. Mais non. Suppose qu'elle le fasse. Écoute-moi, Patty. J'ai travaillé dur pour réunir cette famille. Pour qu'on ait tout ce qui nous a manqué à tous les deux quand on était gosses. Patty, écoute. Je te jure, sur la tête de ton bébé, que si je dois aller en tôle, je suis un homme mort. Et les enfants deviendront orphelins. C'est ça? C'est ça que tu veux? De toute façon, si jamais ça va jusque-là, tu seras bien obligé de décider ce que tu vas faire. Moi? Ouais. Pourquoi moi? Mais ça n'arrivera pas. Oui, mais si ça devait arriver, suppose David. David! Chérie, je suppose... Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas aller en prison. David, je ne peux pas aller en prison. David, j'ai un enfant. On ne peut pas être en prison. Non, lâchez-moi. David, que se passe-t-il? Il m'appelait. Il criait mon nom. Qui donc? Je sais pas. Des drôles de voix. Calme-toi, c'est un mauvais rêve. N'y pense pas, c'est fini, c'est terminé, tout va bien. Calme-toi, calme-toi. Allez, viens, endors-toi dans mes bras. Endors-toi. Chut. Je ne sais rien. C'est fini. C'est fini. Dors, ma chérie, dors. Où est mon bébé? Ta maman t'aime, tu sais. Allons-y. Collision entre deux poids lourds sur le terre-plein de station de service. Les sujets sont en route. Il y aurait des par derrière. Pas avec eux. Nous deux, par ici. Patty! Patty, viens vite! Qu'est-ce qu'il y a? Les flics sont partout autour de la maison. Ils sont en train de fouiller, regarde. Qu'est-ce qu'ils font, David? Dépêche-toi. Dépêche, allez!
prête, police. Police, ouvrez. David Arnold Brown. Oui. Et Patricia Ann Bailey. Oui, mais vous voulez m'expliquer ce que... Je m'appelle Frank Carter, enquêteur auprès du bureau du procureur. Vous allez rentrer vous habiller. J'ai un mandat d'amener contre vous pour le meurtre de Linda Bailey Brown. Salut. Les flics les ont arrêtés. Cinnamon, tu as fait ce qu'il fallait. Regarde-moi, regarde-moi. Tu as assumé ton crime. Tu comprends? Ça va? Oui. Alors, vous niez avoir eu des rapports sexuels avec David Brown? Absolument. Alors, qui est le père de votre enfant? Un copain qui s'appelait Doug. Doug? Où avez-vous dormi la nuit dernière? J'ai dormi là où je dors d'habitude, dans la nurserie avec mon bébé. Vous nous mentez, Patty. Non, je vous dis la vérité. C'est presque insultant que vous puissiez croire que j'ai envisagé de monter un coup aussi stupide que ça. Excusez-moi, mais si j'avais décidé de faire une mise en scène, je l'aurais faite d'une manière beaucoup plus sophistiquée. Vous avez parlé avec Cinnamon du rôle que vous avez joué? Non, on n'en a jamais discuté, je la vois si rarement. Vous ne vous rappelez pas une conversation où il était question de brouillons de lettres ou de médicaments, non? Non. Parlons un peu de l'assurance vie que vous avez souscrite sur Linda un mois avant sa mort. Non. Je veux dire, enfin, oui, on avait pris des assurances. Après tout, c'était une femme enceinte. Mais des polices, on en avait tous les... Arrêtez-vous. Inutile de mentir car nous avons les doubles de toutes vos polices d'assurance. D'accord, c'est normal que je me sois assuré pour protéger mon affaire. Mais c'est parce que ma méthode de sauvetage de données informatiques a une valeur commerciale énorme. Compagnie Liberty Life, 25 février 1985, 200 000 dollars d'assurance sur la vie et 200 000 dollars en cas d'accident mortel. National Life, un total de 200 000 dollars. New York Life, 200 000 dollars. Capital Life, 355 000 dollars. Tout au nom de Linda. Il n'y a aucune assurance à votre nom. Si vous êtes aussi bien renseigné sur moi que vous prétendez l'être, alors vous devez tout savoir sur mes investissements. Je ne suis pas un homme qui a des problèmes d'argent. C'est clair? C'est donc Patty qui s'est occupée de mettre au point le plan destiné à les empêcher de me tuer. Moi, je veux bien tout ce que tu voudras. Mais il faut que ça ait l'air vrai. Je dois d'abord te couvrir toi, puis le couvrir lui. Autrement dit, je couvre tout le monde. Vous prétendez toujours n'avoir jamais parlé du meurtre. Alors de quoi vous parlez, là? J'en sais rien. Oui ou non, c'est vous qui avez appuyé sur la détente. Avez-vous tué Linda? Non, absolument pas. Je suis incapable de faire du mal à qui que ce soit. Vous savez, Linda, c'était l'élément le plus important de mon univers. Ce jour-là, vous parliez d'un complot. Linda était sur le point de vous tuer. Vous avez dit aussi, ce jour-là, que Patty et Cinnamon vous aimaient tellement qu'elles préféraient tuer Linda la première. En fait, je leur ai expliqué, je leur ai dit que c'était pas à elles de s'occuper de ça. Après tout, j'ai surmonté bien pire. Si vraiment Linda voulait me tuer, alors c'est que mon heure était arrivée. C'est vous qui parlez d'un plan destiné à éliminer Linda. Ce n'est pas votre fille qui le dit, c'est vous qui le dites. Nous serons obligés de faire écouter cette bande au jury. Bon, alors je réclame l'assistance d'un avocat, puisque c'est comme ça. Vous avez dit à Cinnamon de s'accuser du crime parce qu'elle serait condamnée moins sévèrement. Oui, on l'a sur l'enregistrement. Oui. Dites-moi, quand lui avez-vous parlé de ça pour la première fois? Chez vous ou à l'hôpital? Répondez! Oui, attendez. Laissez-moi réfléchir. Je crois...
Je crois que c'était à l'hôpital. Il me semble, mais j'en suis pas complètement sûr. Qui avez-vous cru qui a tué Linda? Cinnamon tenait des propos si incohérents que vous êtes allé voir votre fille de 14 ans dans sa chambre d'hôpital et vous lui avez dit d'avouer le meurtre? Vous défendez qui ou vous protégez qui? Patty. C'est Patty que je protège, voilà. Je comprends pas pourquoi on m'envoie ici. C'est dément. Je sais même pas pourquoi j'ai été arrêté. On m'a rien dit, je sais rien. Et de toute façon, ça sert à rien. Vu mon état de santé, je tiendrai jamais le coup. Je suis un homme malade. Oh là là. En tout cas, je vous aurais prévenu. Je vais tomber malade, ça c'est presque certain. On vient d'arrêter David et Patty, tous les deux pour complicité de meurtre. Ils sont en prison. Pourquoi voulez-vous vous en mêler? C'est David qui vous a demandé de venir nous raconter tout ça, n'est-ce pas? Non! Je voulais prendre des nouvelles d'Ambre, c'est pour ça que je suis venue. Alors pourquoi est-ce que vous nous racontez que ce seraient des intrus qui auraient pénétré dans la maison pour tuer Linda? C'est ce qu'ils m'ont dit à moi. Ils m'ont dit qu'ils soupçonnaient un membre de la famille de Patty. Donna! Est-ce que vous vous rendez compte des risques que vous prenez en racontant n'importe quoi? Si vous nous mentez pour protéger David, vous êtes passible de prison. Je n'ai rien fait, moi. Mais ce que vous faites maintenant est extrêmement grave. Vous vous faites la complice d'un meurtrier. Mais je vous dis que... si je suis venue, c'est pour savoir si Ambre allait bien. Je suis sa nourrice. David m'a dit que je devais m'occuper d'elle, c'est vrai? Ambre est en sécurité. Elle est chez ses grands-parents. David prétend que c'est vous qui dormiez avec lui hier soir et non Patty. C'est la vérité? Patty, mais pourquoi Patty dormirait-elle avec lui? Nous avons un enregistrement où elle nous dit qu'elle aime David. Je croyais qu'il la détestait. Il disait qu'il m'aimait. Je lui ai simplement dit que je ne croyais pas que Linda s'attaquerait à moi parce qu'elle m'aimait. Toute cette histoire me semblait incroyable. Et ça ne vous gênait pas de vivre avec elle alors que vous pensiez qu'elle avait tué votre femme? Patty est une fille à problème. Je reconnais qu'elle me fait peur. Oui, c'est vrai. Et il y a maintenant 3 ans et demi que j'ai peur d'elle. Nous avons un dilemme. Il semble que tout le monde vous accuse. Alors, si vous voulez que je puisse vous aider, il faut absolument me dire la vérité. Faisiez-vous partie du plan pour assassiner Linda? Je me rappelle même pas qu'il y ait eu un plan. Bien. Je dois vous dire que ça se complique pour vous. Le procureur a décidé de sortir votre affaire du tribunal pour enfants. Vous pouvez m'expliquer? Vous aviez 17 ans. Dans un procès pour homicide, ils ont la possibilité de vous juger en tant qu'adulte. Je comprends pas. Eh bien, ils croient que vous avez tué votre sœur. Et ils croient que vous avez vécu avec son mari sur ce que les assurances ont payé. En tant que mineur, on vous relâchera quand vous aurez 25 ans. En tant qu'adulte, ils peuvent vous condamner à la détention à perpétuité. Je serai condamnée jusqu'à la fin de ma vie? Votre affaire se présente très très mal.
Monsieur le procureur, monsieur le procureur, quel chef d'accusation avez-vous retenu? Homicide avec circonstances aggravantes. C'est-à-dire profit matériel, $1 million en assurance vie. L'acte d'accusation ne précise pas qui a commis le crime. Nous avons de fortes présomptions quant à l'assassin. Vous pouvez préciser. S'agit-il de David Brown? Vous allez réclamer monsieur le procureur. La petite Cinnamon. Cinnamon Brown est une jeune personne très courageuse, à mon avis. Vous allez demander sa grâce. Patty, je sais que l'avenir vous paraît sombre en ce moment, mais vous avez une excellente raison de tenir bon. Si vous voulez sauver votre enfant, il faut vous sauver vous-même. Mais j'ai un élément positif. Lequel ? J'ai obtenu que l'on sépare votre affaire de celle de David. Pourquoi ? Écoutez. La première audition, l'audience préliminaire, a lieu hors de la présence du jury. Le juge doit décider si les preuves sont suffisantes. Mais si l'affaire est jugée, je ne veux pas que les jurés vous voient assis auprès de David Brown, juste en face de leur box. Il est souverain et tout puissant. L'amour se suffit à lui-même. Il est le plus sûr recours. Ne renonce jamais à la foi, ni à l'espoir, ni à l'amour qui te sauveront. Mais le plus grand des trois est l'amour. Voilà, c'est très bien. Hey David, regarde ça. On cause encore de peur dans le canard. Je t'ai déjà dit, Charlie, ce ne sont que des mensonges, d'accord? La vérité sortira au procès. Écoute bien ce que je te dis, tu verras. Et quand tu seras appelé à la barre, tu n'auras qu'à répondre aux questions qu'on te posera. Oui, mais je ne me rappelle pas tout. Si tu te rappelles pas, dis que tu te rappelles pas. Si tu ne dis pas exactement la vérité, tu peux être sûr que l'avocat de David sautera sur l'occasion. Et ça compliquera encore ta situation. Et Cinnamon, tu as dit que de l'extérieur de la maison, tu as entendu 3 coups de feu. Alors, comment sais-tu que Linda ait été tuée de 2 balles? Cinnamon. J'ai pas dit la vérité sur tout. Alors dis-moi, quand est-ce que tu as menti? Quand j'ai dit que c'était pas moi qui avais tiré sur Linda. Je ne sais plus où on en est. La défense va nous ridiculiser. C'est la 4e fois qu'elle change sa version des faits. Et moi qui la croyais. Je voulais la croire. Patty Bellet doit venir témoigner. Elle est la seule qui puisse corroborer ce que la gamine raconte. C'est dingue. Et combien de versions de cette histoire est-ce qu'il peut y avoir? Cinnamon a avoué que c'est elle qui a tué Linda. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Patty, écoutez. On sait que vous êtes dans le coup. Et on sait également que David a tout organisé. C'est lui qui porte la responsabilité de la mort de votre sœur. Cinnamon a appuyé sur la détente, mais ça ne change rien pour vous et David. Vous êtes accusé de complicité. En témoignant contre lui, vous avez une chance de vous en tirer. Ça ne peut que vous aider. Je ne peux pas. Mais David ne vous attire que des ennuis. Je ne peux pas. Mais enfin, pourquoi? Mais parce que nous sommes mariés, David et moi. Depuis quand? La loi ne vous interdit pas de témoigner contre lui. Elle ne vous donne pas non plus le droit de refuser. Ou alors, c'est que vous voulez qu'il échappe à la justice. Oh, il est pas vrai, ce mec. J'ai envie de faire sa connaissance. Mais ça va pas la tête. Tiens, Stutz, laisse-le où il est. Pourquoi? Pas le genre de mec à avoir comme copain.
David. Hey, salut. Je m'appelle David Brown. Mais je te connais pas, moi. Fous-moi la paix. Voilà. J'ai besoin de protection. Tu vois, il me faudrait un garde du corps. Ah, mais c'est sérieux. Je t'assure, j'ai reçu des menaces. Je me suis fait pas mal d'ennemis. Rien à battre. Non, mais... Attends une minute. Non, c'est pas des conneries. Attends. Je suis quelqu'un qui paie bien, ok? Je suis un gars qui paie bien. Occupe-toi de moi, et moi, je m'occuperai de tes frais tant que tu seras ici. Je suis un professionnel. Autrement dit, mes services coûtent cher. Bon? J'ai pas l'habitude de regarder à la dépense. Bon, bah oui, alors... C'est pourquoi j'attends de toi que tu prennes la bonne décision. Patricia Belin, on parlera. Je viens voir Patty Bellet. Non, arrête. Une lettre de David? Qu'est-ce qu'il vous dit? Cher Patty, ce sera bientôt mon anniversaire et la seule chose dont j'ai envie, c'est un mot de toi. Pensez-vous, les filles et toi, que vous arriverez à vous débrouiller toute seule? Je me fais tant de soucis pour vous trois. À ce rythme-là, je crois que je ne tiendrai pas longtemps. Rassure-moi vite. Je devrais au moins lui écrire une carte. Je ne veux pas que vous lui écriviez. Mais toute la famille tombe en morceaux. Je viens d'apprendre que son père s'est fait hospitaliser. Quoi? Oui, c'est sa mère qui vient de me le dire, une crise cardiaque. Je vous assure bien que non, je l'ai aperçu dans le couloir. Il n'est pas à l'hôpital. Pourtant, c'est ce qu'elle a dit. Il pourrait peut-être pas courir le marathon, mais il m'a eu l'air en bonne santé. Je ne veux pas qu'il garde mon bébé chez eux une minute de plus. Voulez-vous appeler ma belle-sœur Marie et lui demander si elle peut le prendre? Vous savez qui est derrière tout ça? Je m'en doute. Il vous prouve qu'il vous aime en vous laissant payer pour son crime. C'est vraiment un salaud. Il dit que s'il est condamné, ça le tuera. Vous ne comprenez donc pas? Cet homme se sert de vous, comme il se sert de Cinnamon. Et si jamais il sort de prison, il se servira de nouvelles victimes, Ambre ou votre fille, les pauvres malheureuses. Pas David, c'est pas vrai. C'est la première robe que j'ai jamais eue à moi. C'est lui qui m'a emmené la choisir. Il nous achetait plein de choses, des arbres de Noël, des cadeaux, pour un oui, pour un non. Regardez ce qu'il a fait à Linda, ce qu'il vous a obligé de faire à votre sœur. J'étais pas d'accord pour tuer Linda. Linda, c'était ma grande sœur. Ma mère, vous entendez? Et je l'aimais, Linda. Acceptez-vous de témoigner contre David? Rien d'autre ne l'arrêtera, c'est pourquoi j'ai besoin de votre témoignage. C'est d'accord, je témoignerai. décembre 1988. Et
C'est aujourd'hui que débute l'audience préliminaire de l'affaire de l'entrepreneur informaticien David Brown. Brown est accusé d'avoir organisé un complot macabre destiné à faire tuer sa femme par sa fille âgée de 14 ans. La cour. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites « je le jure ». Je le jure. Veuillez décliner votre identité. Cinnamon Darlene Brown. Asseyez-vous. Cinnamon. Dites-nous où vous habitez depuis presque 3 ans et demi. Monsieur le Président, la Défense souhaiterait que tous les témoins potentiels quittent la salle d'audience. De qui Maître Baruch veut-il parler, Monsieur le Président? J'aperçois Sandra Eden assise au milieu du public. Mademoiselle Eden, je vais devoir vous demander de quitter le tribunal pendant l'audience. Reprenez, Maître Stanfield. Alors, Cinnamon, où est-ce que vous habitez? À l'institution Ventura. C'est un centre de détention d'État pour les mineurs. Oui. Pour quel crime vous y a-t-on envoyé? Pour meurtre. Non mais il faudrait qu'elle parle plus fort, j'entends pas et mon client non plus. Mademoiselle, voulez-vous parler un peu plus fort? Oui, pour meurtre. Mais non, j'entends toujours pas. Mademoiselle Brown. Pour meurtre. Aviez-vous constaté avant le 19 mars 1985 l'existence de faits ou de circonstances anormales concernant Linda, votre belle-mère? Oui. Combien de temps avant la nuit du 18 au 19 mars avez-vous eu conscience de ces circonstances anormales? Environ 6 mois et demi ou 7 mois avant. J'aimerais que vous vous reportiez à cette époque-là. Avez-vous eu avec votre père et Patty une conversation au sujet de Linda? Oui, c'est exact. Non. Mais je te l'ai déjà dit, non. Si, je te l'ai dit, fiche-moi la paix, arrête. Sois gentil. Non. Bon, alors, Patty, tu viens, oui? Le major ne répond plus. Il faut rester là. Ah bah, dis donc, t'as pris ton temps. Et nous, alors, on crève de soif. Bon, vous avez compris, Patterson. J'ai encore entendu Linda au téléphone. Tu nous as pas apporté à boire? Elle est en train d'en parler. Bon, ben j'y vais, qu'est-ce que vous voulez? Non, Cini, reste là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est rien, t'inquiète pas. Il faut que j'aille acheter du pain. Surtout, ne laissez pas pleurer le bébé. Mais non, reste avec elle, je vais y aller. D'accord, et emmène donc les filles, elles n'ont pas mis le nez dehors aujourd'hui. Tu vois? Elle veut qu'on la laisse seule pour pouvoir continuer ses manigances. Chut. J'ai peur. Chut. Hey, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi est-ce qu'on me dit rien à moi? Parce que je ne veux pas qu'on discute de ça dans la maison, d'accord? Cini, je ne voudrais pas que tu t'imagines qu'on a des secrets pour toi. Seulement, il y a des choses qu'on peut pas te dire. Parce que t'es trop jeune, tu comprends, chérie? J'ai seulement 2 ans et demi de moins que Patty, alors pourquoi elle le sait et pas moi? Mais il faut que tu me promettes que tu ne diras rien à personne, oh, jamais. Je ne dirai rien. Patty, Patty, tu veux bien lui expliquer? Linda projette de tuer David. Ah oui, très drôle. Et elle en parlait au téléphone? Non, attends, je te jure, ce qu'elle veut, c'est lui reprendre la société. Voyons, c'est trop bête. Patty cherche à se rendre intéressante ou quoi? C'est ce que j'ai cru, moi aussi, mais... C'est vrai que Linda a toujours été intéressée par mon argent. Elle parle d'argent tout le temps. Elle ne pense qu'à ça. Elle m'a laissé fonder cette société et elle veut me la prendre. Tu vois? J'ai pas le choix. Je vais devoir aller me cacher quelque part. Où ça? J'en sais rien. Ailleurs, dans un autre état. Alors moi, va falloir que je change encore d'école? Non. Non, vous les filles, je peux pas vous emmener avec moi. Je peux pas. Je dois me cacher. Il y a des chances pour que je sois forcé d'aller dans un autre pays. Quoi? Oui. Vous... Chacune de vous devra retourner vivre avec sa mère. Cinnamon, vous aimiez votre père? Oui, je l'aimais. Cinnamon,
À part le fait de partir, votre père avait-il envisagé une autre solution? Oui. De devenir dingue. Je peux même pas manger ce qu'elle me sert à table. Tu vois pas qu'elle veuille m'empoisonner? Mais tu peux demander le divorce. Comme si c'était ça qui l'empêcherait. C'est le seul moyen, y a rien d'autre à faire, rien. Ou alors il faut la tuer avant qu'elle... Tu ne penses pas... Il n'y a pas 36 solutions, ce serait le seul moyen de protéger notre foyer. Rien. Avez-vous cru qu'il parlait sérieusement? Pas au début, non. Mais il en a parlé ensuite de plus en plus souvent. Et là, j'ai senti qu'il était sérieux. Et j'ai commencé à y croire. Est-ce que ces conversations évoquaient des méthodes précises pour se débarrasser de Linda? Oui. On va voir papa. Je crois que j'ai plus beaucoup de temps. On se donne un mal fou pour avoir l'air normal, mais je sais que c'est pour bientôt. La nuit, j'ai peur de m'endormir. Il faut que je sois sur mes gardes à chaque instant. Et si on la paralysait? Tu dis vraiment n'importe quoi, et comment on s'y prendrait? Je sais pas, moi. On lui roule dessus avec la voiture. Il pourra plus faire de mal à David. Non, ça marcherait pas. J'ai vu un film un jour où on tuait quelqu'un en jetant un sèche-cheveux dans sa baignoire. Mais tu peux rigoler, mais mon idée, elle est moins bête que la tienne. Linda ne prend jamais de bain. Mais c'est vrai. Elle prend des douches, elle adore ça. Ça y est, j'ai une idée. Voilà. Et si on ouvrait la porte de la voiture un tout petit peu, et si on la poussait dehors sur l'autoroute, hein? On peut le faire en rentrant tout à l'heure. Non, c'est pas une bonne idée. Suppose que quelqu'un nous voit. Oui, imagine qu'elle se fasse écraser par une voiture. On en reparlera, hein? Tiens, va l'aider à installer le bébé. Votre père vous a-t-il jamais dit qui devrait tuer Linda? L'une de nous deux, mais il s'adressait surtout à moi. Cinnamon, j'ai beaucoup réfléchi et tu es la seule qui puisse le faire. J'ai toujours adoré les films d'horreur, les trucs un peu glauques, mais je crois que je serais pas capable de tuer quelqu'un. Tu es 10 fois plus courageuse que moi, j'ai pas assez de cran, je pourrais jamais faire une chose pareille. Oui, mais on m'enverrait en prison. Justement, c'est ça le truc, pas toi. Il suffirait que tu aies l'air d'avoir agi dans un moment de folie. Comment? Tiens, si tu essayais après de te suicider, je te parie tout ce que tu veux, qu'il te montre à un psy, et 8 jours après, t'es à la maison. Non, je crois pas, je te jure, je crois pas que je serais capable de ça. Je croyais que tu m'aimais, Sini. Je sais bien que je t'aime. Tu es la plus jeune. Quoi qu'il arrive, c'est toi qui risques le moins. Salut. De quoi vous parlez tous les deux? Vous avez des têtes de conspirateurs. Quand vous avez commencé à croire ce qu'il vous disait, avez-vous cherché à aider votre père? Oui. Pourquoi?
Parce que je l'aimais et je voulais pas qu'il lui arrive malheur. Le témoin doit parler plus fort, on n'entend rien, monsieur le président. C'est la façon dont mon père me regarde qui me gêne. Ah, le regard de son père la gêne. Bon, ben, très bien, David, mettez la tête sous la table, votre regard dérange le témoin. Monsieur le président, c'est absolument inacceptable. Maître Barouk fait du cinéma pour la presse. Maître Barouk, je vous rappelle à l'ordre. Très bien. C'est quand même incroyable. Reprenez, maître Stanfield. Cinnamon. Une dernière question. La nuit du 19 mars 1985, avez-vous pris un revolver et tiré sur Linda? Je l'ai fait, oui. Allez, les filles. Dépêchez-vous, debout. Qu'est-ce qu'il y a? Levez-vous. Il faut le faire, cette nuit. Les uns après les autres. Attends. Avale-les tous, il vous fait croire que tu es devenue folle. Attends, Sini, attends. Allez, tiens, avale. Prends-en encore. J'arrive pas, il y en a trop, je n'avalerai jamais tout ça. Tu dois avoir l'air de regretter ce que tu viens de faire. Bien. Allez, viens. Tu vas dans la chambre de Patty et tu fais exactement ce qu'elle te dit, compris? Attends. Je t'aime, Sini. Rappelle-toi, 2 balles et je veux que tout soit réglé quand je reviendrai. Si tu ne le fais pas, je suis un homme mort. Je t'aime. T'as entendu ce qu'il a dit? Thank you.
beau gentil chien. Oui. Aimez-vous encore votre père? Oui. Reconnaissez-vous les cachets que votre père vous a fait prendre? Oui. Si votre père vous avait dit de sauter d'une falaise, vous l'auriez fait? Non, j'aurais voulu savoir pourquoi il me le demandait. Mais de tuer, ça vous semblait raisonnable. Hmm? J'ai cru que c'était nécessaire. Aviez-vous peur de votre père avant de tuer Linda? J'avais simplement peur qu'il m'abandonne. Ah, c'était plus important qu'une vie humaine. Une vie humaine. J'ai changé de façon de voir, il était la sécurité pour moi. Ah bon, mais s'il vous sécurisait, pourquoi avez-vous tellement peur de lui maintenant? Hmm? Quand je le regarde, quand je le vois me fixer comme ça, ça me rappelle le pouvoir qu'il avait et c'est douloureux. Je vois. Alors, est-ce que cette douleur est si grande que vous avez voulu le mettre pour toujours à l'écart? Non, mais je ne veux plus jamais le voir. Est-ce que vous témoignez contre lui pour ne plus jamais voir votre père? Non! La main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. Je le jure. Veuillez décliner votre identité. Patricia Anne Bailey. Asseyez-vous. Patty, voulez-vous nous dire quel âge vous aviez quand vous avez fait la connaissance de David Brown? Je devais avoir 5 ou 6 ans. Bonjour, Patty. Tu as pris ton petit déjeuner? On allait boire un jus d'orange avec Cindy. Tu en veux un? Allez, viens. Tu vas nous aider, hein? Tu vas mettre la table. Allez, vas-y. Aujourd'hui, Cindy et moi, on va à Disneyland, hein? Oui. C'est une grande fille, elle, hein? On lui montre comment on joue à bisou-bisou. Patty, viens là. Viens, ma chérie. Regarde comment on fait bisou-bisou. Celui qui gagne, c'est celui qui arrive à faire rire l'autre. D'accord? Regarde. Prêt? 1, 2, 3. Moi. Tu veux essayer? Allez. Encore.
Encore un? Allez, Patty. Encore un petit baiser. T'es gentil. Quand vous avez fait la connaissance de Brown, y avait-il déjà quelque chose entre lui et votre sœur Linda? Je n'en étais pas certaine. Mais n'est-il pas exact que plus tard, après quelques années, votre sœur et David Brown soient devenus mari et femme? Oui. Et quelque temps après, vous êtes allé vivre avec eux? Oui. Quel âge aviez-vous alors? Je devais avoir 11 ou 12 ans. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous viviez avec eux? Parce que chez nous, à la maison, ça allait mal. Soyez plus clair, je vous prie. On avait à peine de quoi vivre. Il n'y avait pas toujours de quoi manger à table. Votre mère avait-elle un problème particulier? Pourquoi vouliez-vous la quitter? Parce que ma mère était une alcoolique. Y avait-il un homme, un père à la maison? Non. Il nous a abandonnés quand j'avais 8 ans. Alors, 2 ans plus tard, à 11 ou 12 ans, comment voyez-vous David Brown? Comme mon père. Et quelque temps après, je crois que David a cessé de représenter pour vous l'image d'un père, pour devenir autre chose. Oui. Un jour, il a dit qu'on finirait par se marier. Il le répétait sans arrêt. À un moment ou à un autre, avez-vous observé ce qui pouvait vous apparaître comme un changement brutal dans les sentiments de David pour Linda? Oui. Quel âge aviez-vous alors? J'avais 15 ans. Comment saviez-vous que ses sentiments avaient changé? Il est devenu nettement moins affectueux avec elle. Il lui reprochait ses sautes d'humeur. Il disait qu'elle n'était plus la même que quand il l'avait connue. C'est tout ce qu'il disait? Elle lui faisait peur. Il pensait que Linda voulait se débarrasser de lui. Et alors il a dit qu'il vaudrait mieux qu'on la tue nous-mêmes avant qu'elle ait l'occasion de le tuer, lui. Est-ce qu'il vous a demandé de tuer Linda? Oui. Il vous l'a demandé combien de temps avant le meurtre, approximativement? 2 ans avant. Y a-t-il eu d'autres fois où il vous a demandé de la tuer? Oui. Plus d'une fois, alors? Oui, plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était quand? 3 ou 4 semaines avant le meurtre. Patty, une dernière question. Avez-vous participé à l'assassinat de Linda avec David et Cinnamon? Oui. Le premier truc que je ferai en sortant ici. Une grande bière. Ça bien grasse. Ciao. Avec des anchois. J'ai besoin que tu te charges d'un boulot un peu spécial quand tu sortiras. Tu fais ça pour moi, je
t'achète la Harley dont tu parles tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais que tu me débarrasses d'elle. J'aurais jamais cru que Patty était capable de me défendre un jour. Peut-être qu'elle te ressemble plus que tu ne croyais. Vous ne la connaissez pas. Elle est très différente de moi. Non, c'est là que tu as tort. Elle est sa victime, elle aussi. N'empêche qu'elle habite avec lui dans la grande baraque et... Et en plus, c'est sa femme. Peut-être. Mais est-elle plus heureuse que toi? Vous étiez amoureuse de David, n'est-ce pas? C'est ce que je croyais. Est-il exact qu'après le crime, vous ayez déclaré aux policiers que vous n'aviez aucun rapport sexuel avec David? Oui, c'est exact. Vous avez répété la même chose à l'inspecteur Carter après votre arrestation, oui ou non? Oui, mais... Autrement dit, dans les deux cas, vous avez menti. Je leur ai dit que David était comme mon père. Et ça, c'était pas un mensonge. Voyons, si je ne m'abuse, je vous ai bien entendu répondre à une question devant ce tribunal que vous aviez eu des contacts physiques avec David Brown. Oui. Alors, vous avez menti à la police. Oui. Quel genre de contact physique aviez-vous? Je ne sais pas comment expliquer ça. L'expression peut recouvrir tout un tas de choses. Il y a les caresses, il y a les baisers, il y a les étreintes. Il me touchait. Il vous touchait. Pourriez-vous être un peu plus précis? Je ne sais pas, je... Il y avait tout. Vous faisiez l'amour? Oui. Bon, dites-nous quand ces contacts sexuels avec David ont commencé. Bonjour, Patty. Tu as pensé à moi aujourd'hui? Moi, j'ai pensé à toi. Regarde. Merci. Rien. Viens, je te ramène en voiture. Mais j'ai ma bicyclette. Ouais, je sais, mais aujourd'hui, il y a tellement de circulation. Je tiens pas à ce que t'aies un accident, tu vois. Oui. Il te plaît, ton petit cœur? Ah oui. Bah, c'est tout simple. C'est comme ça qu'on... une femme. T'as envie de devenir une femme? Patty? Patty! 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 L'engueule pas. C'est moi qui suis passé à la banque sur le chemin du retour. Patty! Pourquoi tu es en retard? Je t'avais dit que j'avais besoin de toi après l'école. Vous n'avez jamais eu d'objection contre ces contacts physiques? Je ne savais pas que c'était mal. Vous ne saviez pas que c'était mal? Je,
ne sais pas quoi dire. Je croyais que c'était normal. Vous pensiez que c'était normal? Vous pensiez que c'était normal d'avoir des rapports sexuels avec un homme qui avait 15 ans de plus que vous? Hein? David disait que c'était bien. Je sors demain, mon pote. Super. T'as pris tes dispositions pour ce dont on a parlé? Et n'oublions pas l'argent. T'inquiète pas, quelqu'un viendra t'apporter les 20 000 dollars. Attention, je veux que tu fasses brûler la caravane et le pavillon des invités en premier. Faut faire croire que c'est moi qui t'ai visé. Ensuite, il faut liquider les flics et Patty Bailey. D'accord, c'est dans la poche. Ok, attention pour Patty. Il faut absolument que ça ait l'air d'être une tentative de suicide. Je suis un professionnel, mon pote, ce sera comme tu voudras. Ah, c'est formidable. Je sais pas ce que je vais devenir sans toi. Tu vas me manquer. Allez, t'en fais pas, y a pas de lézard. Je m'occuperai de Stanfield et Carter en personne. Ensuite, je viendrai voir comment je peux te faire sortir. Ah, et c'est ça. T'es le meilleur. J'ai confiance en toi. Bah, tu peux compter sur moi. Je t'aime. Oui, moi aussi, tu sais. D'accord. Est-il exact que Linda voulait que vous retourniez habiter chez votre mère? Elle me l'a demandé une fois, oui. Pourquoi ne l'avez-vous pas écoutée? Parce que David disait que si je m'en allais, alors il divorcerait. Quel effet ça vous faisait de savoir que David couchait avec Linda? Objection, monsieur le président. Rejeté. Quel effet ça vous faisait? J'étais contente que ce soit elle et pas moi. Est-il possible que vous ayez eu un motif personnel pour éliminer votre sœur, pour continuer à vivre tranquillement avec David? Non, je voulais simplement que la famille reste unie. Vous n'aviez aucun motif personnel? Je suis prête à payer. J'accepte de payer pour le crime que j'ai commis. Mais je n'accepte pas d'emporter la responsabilité toute seule. Ce ne serait pas vous qui auriez fabriqué de toutes pièces le fait que Linda voulait tuer David? Non. Ce ne serait pas vous qui auriez simplement attisé les flammes? Non. Avez-vous jamais entendu Linda dire qu'elle voulait le tuer? David nous racontait tout le temps qu'elle voulait l'éliminer, alors j'ai supposé qu'elle en parlait réellement. Autrement dit, vous mentiez, tout comme vous mentez maintenant. Vous voulez faire peser toute la responsabilité sur les épaules de David. Non, c'est faux. Je n'ai plus de questions, monsieur le président. Au cours des années où vous viviez chez David, au cours de la préparation et de l'exécution du meurtre, et dans la période qui a suivi, avez-vous jamais envisagé de retourner habiter chez votre mère? Non! Je ne connaissais qu'une seule façon de vivre, et c'était celle de David! Patty. Si jamais David était mort, où seriez-vous allé vivre? Je n'ai rien, je n'ai nulle part où aller. Ça y est, c'est fait. Si t'avais vu ça. Oh, génial. Harley, où est-ce que je l'ai fait livrer? Ils ont même pas eu le temps de faire leur prière. Ça a fait pan-pan, 2 balles à la base du crâne. C'est le tour de Patty maintenant. Merci, tu viens de régler pour moi mes principaux problèmes. Qu'est-ce que je peux te dire, mec? T'es mon sauveur, tu sais ça?
Tu es le meilleur. Tu sais que t'es génial. David Brown. Écoute, il faut que je raccroche, mec. Pareil que j'ai un parloir, d'accord? Je te recontacterai. T'es génial, je t'oublierai pas. Je t'aime. Un instant, monsieur Brown. Deux de vos plus gros problèmes, comme vous dites, sont revenus vous hanter. On a quelque chose pour vous. Un nouveau mandat. Incitation à commettre un crime, complicité d'homicide volontaire, et incitation et conspiration pour incendie criminel. Vous savez, le petit malfrat que vous fréquentez, Argus, c'est une balance. Il vous a balancé. Et votre autre copain, Stutz, il a décidé de sauver sa couenne. Ces deux planches pourries que vous aviez choisies. Stutz portait un magnéto. Nous avons 30 enregistrements des conversations que vous avez eues tous les deux. Ça devrait suffire. Je te tiens, Brown. Tu es perdu. Que David ait cherché à me faire tuer, je comprends. Mais pourquoi les deux enquêteurs? Il a pensé que le cours de la justice serait ralenti s'il fallait mettre au courant de l'affaire deux nouveaux procureurs. Il est cinglé. Oui. Allez-vous pouvoir couper le cordon maintenant? La nuit, je fais d'horribles cauchemars. Il me poursuit là un poignard et il essaye de tuer des enfants. Peut-être que ces enfants, c'est vous. Après tout, il a volé votre enfance. Où on en est maintenant? Eh bien, le procureur a demandé que votre affaire passe devant le juge des enfants. Non, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer pour David? Le juge l'a inculpé, il passera en cour d'assises. Les jurés devront décider quelle peine doit lui être appliquée. Je suppose que je devrais me réjouir. Essayez avant tout de ne pas oublier une chose. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu dans l'univers de quelqu'un d'autre. David Brown avait toutes les réponses. Il avait tout, l'argent, le pouvoir. Vous n'existiez que dans la mesure où c'était lui qui vous avait faite. Et ça, maintenant, ça va changer. Salut. Tiens, je t'ai apporté un truc qui va t'intéresser. On l'accuse d'avoir voulu tuer Patty et les deux procureurs. Convaincre de te tuer.
avant votre arrestation. J'ai l'impression qu'il avait pris une assurance sur toi aussi. Juin 1989. Les avocats sont priés de s'approcher de la cour. Patricia, vous avez été accusée d'un crime particulièrement grave, celui de complicité dans un homicide volontaire. Comment plaidez-vous ? Je plaide coupable. Vous savez qu'en tant que mineur, la peine maximum attachée à votre crime est la détention jusqu'à vos 25 ans. Oui, je le sais. Je répète donc ma question, comment plaidez-vous ? Je plaide coupable. Soit, Patricia Bellet, vous resterez en prison jusqu'à la date de votre 25e anniversaire. Vous recevrez toute l'assistance psychiatrique autorisée par la loi. La juridiction de la Cour des mineurs cessera de s'appliquer le jour de vos 25 ans. L'audience est levée. Brown, 15 mois plus tard. Vous êtes un homme inquiétant. C'est vraiment le moins que je puisse dire. Voyez, Charles Manson, il a l'air d'un cinglé. Vous, vous avez l'air plus normal que votre avocat. Je croyais avoir tout vu, mais ça, c'est inouï. Demander à votre fille de tuer votre femme. Exiger d'une jeune fille qu'elle joue un rôle dans l'assassinat de sa propre sœur. Décidément, auprès de vous, Charles Manson fait figure d'amateur. Sachez que je suis intimement persuadé que vous n'êtes, en dépit de votre personnalité apparemment normale et plaisante, rien d'autre qu'un maître de la manipulation. Vous n'avez aucune considération pour votre famille. J'ai là une lettre de votre fille. Elle écrit « Je t'aime, papa. Je t'aimerai toujours. Je ne veux jamais oublier les bons moments qu'on a vécus. » Mais vous, monsieur Brown, vous avez déclaré ici qu'elle est plus dangereuse encore que vous. Que voulez-vous me faire croire ? Les circonstances de cette affaire sont absolument incroyables. Je n'ai pas le choix. La peine doit être la détention à vie, sans option de libération conditionnelle. L'audience est levée. Elle est coupable, c'est elle. Elles ont toujours été jalouses de Linda. C'est elles qui ont tout manigancé. C'est elles qui voulaient la mort de Linda. Pas moi. Un excès de vitesse. Voilà le crime le plus grave que j'ai jamais commis. Une fois dans ma vie, je me suis fait prendre pour excès de vitesse. Félicitations, Stanfield. Merci. Sortir bientôt. Et alors, j'y suis restée assez longtemps en prison. C'est pas si mal ici. Attends d'y être depuis plusieurs années. Je suis plus libre maintenant que je ne l'ai jamais été avec David. J'ai demandé le divorce. C'est vrai qu'il t'a fait toutes ces horreurs ? Oui.
Cinnamon, il est l'incarnation du mal. Ça, je le sais, oui. Mais c'est tout de même mon père. Et ça, je ne changerai jamais rien. C'est bien que tu aies avoué. Oui, enfin, tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Moi, la seule chose que je voudrais, je ne l'aurai jamais. Quoi? Je ne peux pas ressusciter ma sœur. Ça, non. Bon, il faut que j'y aille. Oui, d'accord. À bientôt. Oui, à bientôt. Cinnamon Brown a aujourd'hui 20 ans. La liberté conditionnelle lui a été refusée le 15 janvier 1991. Conformément à la loi, elle devra recouvrer sa liberté à son 25e anniversaire. Patty Bellet sera libérée et retrouvera sa fille au plus tard en 1993, quand elle aura 20 ans.